S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne me tuez pas. S'il vous plaît. Hey, Emmanuel. Maman. Je pars pour évangéliser, d'accord? D'accord, maman. S'il te plaît, je veux que tu ailles chercher le bois que je vais utiliser pour cuisiner quand je vais rentrer. Ok, maman. Cherche assez de bois. Mm-hmm, il n'y a pas de réserve dans cette maison. Ok, hey? Ok, maman. J'ai parlé du bois. Ne va pas jouer. J'ai compris. J'ai besoin de j'ai ça compris, pour maman. Cuisiner. Nous n'avons plus rien dans la d'accord, maison. D'accord, maman. Vas-y maintenant. Dépêche-toi. Ok, au revoir, maman. Mm-hmm. Thank you.
Petit. Oh, oh. Sentine, allez. Oh, oh, allez, Sentine, allez. Allez, allez, rentre, rentre. Eh, on va bien. C'est pour moi. On les a semés, les gars. Aïe, je t'assure, mais tu sais où ils sont? Je sais pas. Aïe. Ah, ta 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 ta. Wolf, oui, Bouba. Bon, nous, à barrière, barrière, tout. Qu'est-ce qui se passe? Allez, allez, putain de flic, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Écoutez, là, vous tombez mal, parce que là, on s'amuse. Vous êtes perdu ou quoi? Dites-moi, ne connaissez-vous pas le chemin qui mène là où se trouve votre arrêt bus? Les gars, je cherche des bandits armés, où sont-ils allés? Je sais pas quoi te dire. L'armée? On ne les connaît pas! Vous les avez vus? On vous paie un salaire pour que vous trouviez les gars qui portent les armes. Dans quelle école de police étiez-vous? Celle d'Oji arrive à Wallocel de Porte à Côte. De toutes les façons, il n'y a pas de souci. Prenez la gauche et allez comme ça, vous arrivez au carrefour. Renseignez-vous aux femmes qui sont là-bas et vous verrez où ils sont. Les mecs, continuons ce qu'on faisait. Arrête bien cette arme avant que les gens à qui ça appartient viennent les prendre. Faites attention, il y a de mauvais garçons dans ce ghetto, ils peuvent vous prendre ces armes. Le vendre ! C'est très méchant ! C'est très méchant ! Arrêtez-vous! Vous êtes en état d'arrestation. Retournez-vous. Regardez celui-ci. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce que nous ressemblons aux agresseurs? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas mais c'est quoi ton problème? Hein? Occupe-toi de tes affaires. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a?
On dirait que tu ne vas pas bien. Je crois que tu n'es pas dans ton assiette. Va t'occuper de tes affaires. Maman! 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 La police vient d'envahir notre secteur. Allez à l'intérieur. Allons-y, allons-y! Fermez la porte. Pourquoi est-ce que tu paniques? Tiens-moi un peu ça. Pas de soucis, ne va surtout pas là-bas. Ce sont ces bandits qui viennent d'entrer sur le... On dirait que vous êtes malade. Vous n'avez plus peur. Vous entrez dans la Terre Sainte. Ce n'est pas que la Terre Sainte, oh. Vous êtes entré dans ma cabane. Est-ce que vous savez où vous êtes? La toute puissante. Je suis Lady P. Vous n'avez pas peur, vous me pointez des armes n'importe comment. Pardon, baissez ces choses avant que je ne vous réponde. Madame, vous devez nous montrer tous ces malfrats qui se promènent partout, ceux qui sont entrés ici. Sinon, nous allons tous vous arrêter. Mais ça ne va pas chez toi, tu es malade. Python! Brisez leurs doigts morts. Calmez-vous. Vous ne voyez pas son visage, c'est un petit gars. Il a peur. En fait, vos mères ne vous ont pas bien accouché tous les deux. Parce que j'ai un visage d'ange, vous pensez que je suis un enfant? Vous ne regardez pas les yeux? Si vous regardez dans mes yeux, vous saurez que je suis courageuse. Ça va aller? Hey mec, qu'est-ce qu'il y a? Meuf, il y a une petite embrouille. Quoi de neuf? Où est ma daronne? Mec, la police nous a piégés, ils nous ont assaillis de partout, je ne comprends plus rien. Sina, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'entends pas, j'ai dit que la police est en train de tout foutre en l'air. La police, ça fait quoi? Tu dis quoi? Avec ma mère? Oui, tu m'as bien entendu. Les flics? Jojo! Patron, tout puissant! Batbele! Je suis ton homme! Chaco! Celui-là! Python! Brisons le gardien! Batbele! Oui, patron! Jojo! Oui, boss! Suivez-moi, maintenant! Arrête ça! Hey, mec, ton arme! Espèce d'euphoria. Allez, tirez, tirez. Tirez, j'ai dit. Ah! Récupère ces armes. Je vais te montrer. Je dis que je vais te montrer. C'est sur ma daronne que tu pointes ton arme? Ma propre daronne? Moi, West. Le tout puissant. Le tout puissant. Brisez leurs doigts, moi. Tu pointes une arme sur ma mère? Je vais te montrer. West, s'il te plaît, arrête. Ne tire pas. Maman. Maman! Laisse tomber. Tout ce que c'est garanti, c'est ce que j'ai entendu. Maman! Ce gars a eu le courage de pointer une arme sur toi. Maman, j'ai besoin du sang. S'il te plaît, West, tu as un sang trop chaud. Maman, j'ai besoin du sang. Laisse tomber. Mère toute puissante, s'il te plaît, laisse-moi buter celui-ci. Utilisons son sang pour laver toute cette injure. Regardez comment il tremble. Ce sont des enfants, laissez-les. Maman, nous avons entendu tout ce qui est dit. Nous avons entendu toutes les injures. Maman, j'ai besoin du sang. West. Juste du sang. West. S'il te plaît, laisse-les. Comme je suis de bonne humeur aujourd'hui, je vais leur faire ce cadeau. Désolée, laisse-moi t'aider. Accroche-toi. Eh hey, meuf, vas-y doucement, ça va aller. Et toi, il faut suivre tes arrières. Ils sont en train de gérer tout ça là-bas. On dirait que tu as perdu la tête aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive à chaque fois sur le sang chaud? Tu as oublié qui je suis? Tu es folle? Ils gèrent la manière dont ils tu me parles. Ils gèrent leurs problèmes. Odana! Toujours à ton service! Si tu essaies encore cette bêtise dans ta vie, tu verras ce que je vais te faire. Oya. Ami. Laisse-moi couper la main et le pied de celui-ci, comme tu veux s'il pas qu'on les tue. Casse ça, on dirait que West entraîne déjà. Essaie de te calmer, est-ce que tu m'entends? Mamie. Commencez à retirer tout ce que vous portez là. Vous l'avez entendu? Retirez-moi ça. Dépêchez-vous! Si quand vous tentez le travail quelque sera chose, fini, hein, vous allez retirer les balles qu'il y a dans leur gilet. Remets-les. Je regarde quoi? Viens là, retire-les. Approche-toi. Rapproche là. Ce gars, rapproche-le. J'ai dit approche-toi. Cassa, rapproche-le ici. C'est lui. À genoux. Montre-moi ton visage. N'essaye pas c'est de t'enfuir. Je vais te racler. Putain, brisez-le, Sago. Patron. Tina,
Patron. Je suis déçu. Oui, patron. Non, dis-moi que j'ai foiré. Boss, non, je ne le pense pas. Je ne peux même pas répondre à cette question. Mais pourquoi tu me dis que j'ai foiré? Je ne pense pas. Pourquoi tu ne peux pas? Pas de belay. Oui, patron. Dis-moi que j'ai foiré. Non, c'est moi qui ai foiré. J'ai foiré. C'est moi qui ai foiré, tout puissant. Pourquoi est-ce que tu mens? Eh bien, Tina, est-ce que je n'ai pas foiré? J'ai rien dit de mal. Pourquoi vous me mentez que je n'ai pas foiré? Moi, je dis que j'ai foiré. Parce que je veux du sang. Ma mère n'a pas accepté que je coule du sang. J'ai foiré. Non, boss, tu n'as pas foiré. Tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout puissant. Boss, en ce moment, la reine mère a résolu le problème. La reine mère a résolu le problème? Mais je n'ai pas entendu le coup de feu. Non, elle n'a pas utilisé ce moyen. Elle a exécuté le plan B. Elle les a tous déshabillés. Elle leur a demandé de rentrer. C'est ce que la daronne a fait? Je l'ai supplié sans cesse, mais elle a refusé de m'écouter. Je t'assure. Viens, Jojo. Oui, boss. Viens. Non, boss. Viens. Je ne peux pas m'approcher, boss. Jojo, je te demande de venir. Hey, boss, s'il te plaît. Jojo. Hey, boss, s'il te plaît, petit de moi, Jojo. Je t'en prie. Boss. Jojo, tu m'as bien regardé? Moi, West, le premier. Le maître d'un ghetto. Ça n'arrivera plus, je te jure. Le plus grand maître. Tu m'appelles pour me dire une mauvaise nouvelle. Et tu sais que je déteste les mauvaises nouvelles. Boss, hey, petit de moi. Hey, petit de moi, ça n'arrivera plus. Jojo, tu étais là. La daronne a laissé ses flics partir. Tu sais combien de nos hommes, depuis qu'on a commencé ceci, que les flics ont tué? Jojo. C'est plus ça. Tu vas payer. Non, c'est plus ça. Tu vas payer. C'est la daronne qui l'a demandé. Pas de belay. Je suis ton homme. Ah, allez, donne-moi ça. Mec, qu'est-ce qui t'a pris? Tu es foiré. Tu prends un coup? Je me demande ce qui ne va pas avec toi. Tu joues les gros bras alors que ce n'est pas ça. N'importe quoi. Vas-y, tire-toi un pétard pour t'allumer. Toi, tu n'es qu'une sorcière. J'ai l'impression que tu aimes vraiment le babadage. Rose, pardon, tu as trop peur. Ce qui s'est passé ici est une chose normale au ghetto. Regarde comment tu trembles. Tu trembles comme une feuille. Allez, prends ça, tu bois. Bois ça, tu te sentiras mieux. T'es puissante. Tiens, bois ça. T'es puissante. Qu'est-ce qu'il y a? Où sont ces flics? Pardon, je les ai envoyés avec leurs affaires à leur station. Mais maman, non! Ah! Mais toute puissante, non! Toute puissante! Pourquoi tu as fait ça? Brisons leurs os à mort! Olympico! Brisons leurs os à mort! Piotr, ces idiots! En regarder ma mère! Ils ont eu le courage d'insulter ma mère! Mais maman, tu n'as pas bien agi! Tu n'as pas bien agi! J'aurais tué l'un d'eux! Et les envoyé au commissaire! Ils auraient su qu'on ne blague pas ici! Maman, j'ai besoin du sang! Je te dis, maman, j'ai besoin du sang! Wesley, calme-toi, non? Ce n'est pas comme ça! Ce n'est pas le sang tout le temps. Calme-toi. Maman. Bad Belay, pourquoi tu pleures? J'ai mal au ventre. N'importe quoi. Pardon, va acheter les comprimés et bois-les. Hein? Est-ce que tu entends ce que je dis? Je ne sais pas pourquoi vous avez le sang chaud. Je ne sais pas. Piton! Brisez leur soi à mort! Bad Belay! Je suis toujours à ton service. Oui. Suivez-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Piton! Brisez-la, oui, patron. Qu'est-ce qu'il y a, non? Rien ne se passe. C'est bon. Jojo. Boss! Tina. Oui, boss. Shaku. Boss. Bad Belay. J'ai très mal au ventre. Ré. Le Tout-Puissant. Tiens-toi là. On t'a dit de te tenir là! Tu es là, fais des ralentis comme si tu étais dans un film américain. Dépêche-toi! J'ai fort mon œil. Allez, marche! Ré. Le Tout-Puissant. Tire ta chemise et mets-toi genou là, tu te trouves. Je croyais que tu étais pro. Tout-Puissant, je suis désolé. Dépêche-toi d'enlever. Allez vite. Donne-moi ton arme. Je t'en supplie. La femme! Je t'en supplie. Putain! Brisez leur sang! S'il te plaît. Hey. Le Tout-Puissant.
Quelle est la capitale de l'état du Delta? Tout-Puissant, c'est à Saba. Hey. Boss. Quelle est la capitale de l'état de nous? C'est Enugu. Ray. Tout-Puissant. Tu es juste beau. Et tu n'es pas intelligent. Donc c'est moi qui vais maintenant te dire que la capitale de l'état de nous, c'est Kano. Mais Tout-Puissant, c'est Kano. C'est ce que je veux dire. Oui, mon patron. Je suis à ton service. Quelle est la capitale de l'état de nous? J'ai étudié la science. Je ne fais que la science. C'est Kano. C'est Kano. Tu es très attentif. Si tu pars, tu seras intelligent. Mais j'ai dit que c'était Kano, j'ai... Non. Piton, brisez leur doigt mort. Badbele. Oui, boss. Badbele, tu as toujours mal? J'ai toujours mal. J'ai toujours mal. Fais-toi plaisir. Tout-Puissant. Tout-Puissant, je te remercie. Reste là. C'est Dieu qui va te bénir. C'était un petit problème. Je ne vais plus jamais le refaire. Attends, laisse-moi ouvrir son corps, comme ça tu pourras mieux sucer son sang. Jojo. Non. Ne m'appelle pas. C'est mon problème. Laisse-moi le régler, s'il te plaît. Reste mais où tout tu puissant, es. Tout-Puissant. Badbele, Badbele, Tout-Puissant. Allez, massacre-le, il est mérité, oui. Stop, 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 stop. Qu'est-ce qu'elle fout? Badbele. Oui, patron. West. Tu sais ce que cet idiot a fait? Hein? J'ai dit à cet idiot de rester avec ma daronne tout le temps. Comment est-ce que ce gars pouvait être avec ma propre mère? Il a voulu c'est le courage de pointer une arme sur ma mère. Il a foiré. Imagine un seul instant s'ils avaient tiré sur ma mère. C'est comme ça qu'elle allait mourir. Parce qu'il n'a pas fait son travail. Regarde, tu ne peux pas comprendre parce que tu es nouvelle dans ce ghetto. Tu es une débutante. Hein, c'est la tradition, c'est une chose normale. Nous sommes habitués à ça. Tu comprends? Mais s'il te plaît, dis-lui d'arrêter, s'il te plaît. C'est un fou! Piton. Brisez la mort. Badbele, libère-le. Libère-le! Ah, tu as ta chance. Je suis fini, pasteur, je suis fini. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Oh mon Dieu, pasteur! Pasteur, je suis allée évangéliser ce matin. Pendant que je partais, j'ai demandé à mon fils d'aller me chercher du bois que j'allais utiliser, pasteur, lorsque j'allais revenir de l'évangélisation. Mm-hmm. Quand je suis rentrée, je n'ai pas trouvé mon fils à la maison. Pasteur, je l'ai cherché partout. Je suis même allée dans la forêt où on cherche le bois. Je ne l'ai pas trouvé, pasteur. Je suis allée de maison en maison, même dans les maisons de ses amis. Je l'ai cherché partout. Je ne l'ai pas trouvé, pasteur. En ce moment où je vous parle, j'ai même déjà signalé à la police. Nous sommes allés à différents endroits et même dans la forêt pour le chercher. On ne l'a pas trouvé, pasteur. Pasteur, s'il vous plaît, mon fils a disparu. Pasteur, s'il vous plaît, aidez-moi. Je ne sais pas quoi faire, pasteur. Il se fait même déjà. C'est bon, ma soeur, c'est bon. J'ai peur, pasteur. C'est bon. Sergent, es-tu sûr de ce que tu viens de me dire? Et ils sont où ces gars maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Inspecteur. Détective,
Est-ce que tu as entendu ce qui est arrivé aux officiers qui ont poursuivi un groupe de bandits aujourd'hui? Tu es au courant? Oui, je viens juste là. Oh, vraiment? Tu as entendu comment ils ont humilié les officiers? Et tu as même refusé l'arrestation de ces bandits concernés? Ceci devient incontrôlable. Ça doit s'arrêter. Je ne vais pas accepter ça. En fait, je vais faire une descente dans ce ghetto et faire fermer ça. Et sous les ordres de qui? Vous devez avoir une permission pour ça, n'est-ce pas? Inspecteur Jerry. Eve, maman, où es-tu? Ta fille est ici, maman. Tu es là? Tu es là. Comment tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? Eve, que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, ce sont les flics. Les flics t'ont tiré dessus? Ils ont voulu tuer ta fille, maman. Tchaï! On ne t'a pas appelé un médecin? Où est-ce que t'as appelé le médecin? Je suis allée à l'intérieur m'endormir en attendant le médecin, mais je ne l'ai pas vu. Les flics t'ont maman, tiré dessus. Maman, je t'assure. Je ne savais même pas. Et je les ai laissés partir. Hey! Oh, celui qui t'a touché m'a touché. Celui qui se place sur ton chemin se place sur mon maman. Chemin. C'est quoi cette bêtise? Ah, je vais trouver ces gens. Eve. Maman. Tu ne veux pas aller te coucher à l'intérieur? Maman, laisse-moi prendre un peu d'air. Tu ne veux pas que ta maman prenne soin de toi? Je vais aller me coucher. Hey. Mec, tiens ça. Les flics ont exagéré vraiment. Je n'aurais pas dû les laisser. Doucement, doucement. Tu as mal? Ah, c'est vrai. Lorsque maman va te toucher, la douleur maman. Va disparaître. Monsieur, de ce dont j'ai besoin, c'est une permission pour fermer ce ghetto. Ces criminels ne méritent pas de vivre. Ils sont des monstres. Pourquoi est-ce que je te donnerai une telle permission? Je vous demande pardon, monsieur. Oui. Si tu obtiens la permission de démolir ce ghetto tout entier, qu'est-ce qui arrivera aux habitants innocents qui y vivent? Avec tout mon respect, monsieur, je crois qu'il y a un malentendu ici. Quand je dis fermer tout le ghetto, je ne voulais pas dire aller là-bas et détruire tout le ghetto et tuer ces gens. Monsieur, tout ce que je demande, c'est une permission pour entrer dans le ghetto et me débarrasser de ces criminels qui sont là-bas. Nous avons fait des investigations, monsieur, et nous avons toutes les preuves pour soutenir cette descente. Donnez-moi juste la permission, monsieur. Et qui a ordonné de telles investigations, inspecteur Jerry? Eh bien, excuse-moi. Sous quelle autorité est-ce que tu travailles? Je suis désolé, monsieur. Regarde. Écoute-moi très bien. Est-ce que tu mènes vraiment des enquêtes sans ma permission? Parle-moi! Attends. Inspecteur Jerry, écoute-moi bien. Écoute, l'homme qui m'a amené dans la police ne m'a donné qu'un seul conseil. Et je vis par ce conseil. Et je profite de ça. Il a dit, je vais citer. Si tu veux être célébré comme héros dans la police, ne sois jamais plus pressé que les autres. Et ces mots, ces mêmes mots que je te dis maintenant. Écoute, si tu veux être célébré comme héros dans la police, suis juste mes instructions. Est-ce que tu comprends? Oui, monsieur. Bien. Maman? Maman, est-ce que tu vas bien? Oh mon Dieu, mais tu es souffrante. Je serai de retour. Hey, meuf. Quoi de neuf alors? Je vais bien. Je tire révérence à toi. Tu es incroyable. Est-ce que tu sais pourquoi? Tu as vraiment de la chance. Tu vois ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne l'avais jamais vu auparavant. Je n'ai jamais vu Wes de toute sa vie écouter quelqu'un. Jamais auparavant. Attends une minute. Est-ce qu'il est toujours comme ça? Wes était autre chose. Je veux dire, il était terrifiant. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce que tu as vu? Si tu vois quelque chose, tu deviendras aveugle.
Laisse-moi te dire quelque chose. Depuis que je connais West, je ne l'ai jamais vu sourire. Ses trente dents et ne sont jamais sérieuses. Je te le dis, tu me demandes si je suis sérieuse. Ne t'en fais pas, tu verras plus que ça vu que t'es là déjà. Tu verras plus que ça. Excuse-moi, Kings. Kings, qu'est-ce qu'il y a? Maman? Que lui est-il arrivé? Ok, je serai là-bas tout de suite, ok? Que s'est-il passé? Inspecteur Jerry, est-ce que vous l'avez rencontré? Tu sais quoi? Ce pays est comme il est aujourd'hui à cause des gens comme lui. À cause des gens comme le commissaire. Oh, vous l'avez rencontré. Et je peux voir que vous vous êtes encore disputé avec lui. Je ne me suis pas disputé avec lui. J'ai même pas besoin de me disputer avec lui. Il y a des gens là dehors que nous devons aller combattre, mais elle ne veut pas me laisser aller le faire. Et pourquoi? Allez, vas-y, demande-moi bien. Est-ce que tu peux croire qu'il s'est décliné de commander tous les actes abominables, le taux de crime élevé et de violence dans son foutu ghetto? Il essayait même de me convaincre que ces gars sont innocents. C'est quoi toutes ces conneries? Je n'arrive pas à y croire. Vous voulez dire après ce que nos collègues ont traversé là-bas aujourd'hui? C'est pour ça que je dis que ce pays ne peut pas s'améliorer si des gens comme lui continuent avec ce genre d'actes. Oh mon Dieu, maman, maman, je suis là. Jésus, elle est malade. Oui. Kings, que s'est-il passé? Je ne sais pas. Je suis rentrée de l'école, je l'ai trouvée comme ça. Nous devons l'amener à l'hôpital. Immédiatement, allons-y. Maman, allons à l'hôpital, ok? Est-ce que tu as de l'argent? Il n'y a pas d'argent à la maison et notre grand frère n'est pas encore rentré de son voyage. Qu'allons-nous faire? Reste ici, ok? Prends bien soin de maman. Je reviens bientôt. Mais où vas-tu? Rose! Dépêche-toi. Maman, tu iras bien, d'accord? Python, Python, viens fort haut. Python, le Python est fort haut. Si tu connais bien quelqu'un qui dit que le Python est fort haut. Hé, Walepa! Pas de belay! Je suis toujours à ta disposition. West. La révérende mère. Que se passe-t-il? Maman, où sont les garçons? Ils sont là à la chasse nocturne. Et qu'en est-il de Rose? Rose est sortie depuis l'après-midi. Elle a dit que sa mère avait des frissons, donc elle voulait aller avec elle à l'hôpital. Pourquoi Rose ne m'a pas dit non? Je sais qu'elle aura besoin d'argent. Par rapport à ça, je lui ai donné un peu d'argent quand elle partait. Je lui ai même dit que si elle avait besoin de plus, qu'elle revienne. C'est bien réfléchi. C'est bien. Ok. Comment vas-tu? Je veux aller là-dehors résoudre le problème qu'il y a eu cet après-midi. Ok, par rapport à ça, maman, j'aimerais aller avec toi. Parce que si je vois la personne, j'aurai une ou deux questions que j'aimerais poser à la personne. S'il te plaît, West, détends-toi. Ce sont mes affaires, je vais les gérer moi-même. Tu vas pouvoir le régler? Détends-toi. Maman, t'inquiète pas, je vais me calmer, ok? Pas de soucis. La seule chose que j'aimerais que tu fasses, hein? Maman, si tu arrives là-bas, s'il te plaît, pour plus de sécurité, une bonne gifle. J'ai compris. Une bonne gifle. Python! Brisez leur soi à mort! Python! Brisez leur soi à mort! Je te crois, ma daronne de fer. Patron! Hein? Je ferais mieux de la suivre. Dégage-la, celui-là! Ok, patron. Tu compares ma mère à la tienne? Ta mère est au village. Bad Belay! Bad Belay, c'est mon nom, je t'écoute, mon patron! Kings, j'apporte à manger à maman. La tienne est dans la cuisine. J'espère que tu vas rentrer ce soir. Maman ne peut pas passer la nuit toute seule à l'hôpital. Elle a besoin de quelqu'un là-bas. Tu veux dire que je vais passer la nuit ici tout seul? N'es-tu pas un homme? Que va-t-il t'arriver? Ok, il n'y a pas de souci. Je vais rentrer le matin. Grande sœur, je parle de cette nuit. Mais cependant, je veux te demander quelque chose. Comment as-tu fait pour payer les factures de l'hôpital? Ce n'est pas important. C'est important, grande sœur. Je dois le savoir.
qu'est-ce que tu vas faire si je te dis? Tu ne me caches pas quelque chose, n'est-ce pas? Kings, je ne te cache rien du tout. Ok? Je l'ai emprunté chez mon ami. Un garçon ou une fille? Ah, c'est quoi ce genre de question? Est-ce que je ne peux pas le rembourser? J'ai promis de le rembourser dans quelques jours. Peux-tu le faire? Je te le demande. Regarde-le. Tu n'as même pas d'argent et tu me déranges. S'il te plaît, je m'en vais. Ferme la porte. Madame, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Croyez-moi quand je dis que je n'ai pas donné tel ordre. Mes hommes ont dépassé les limites et je vais m'assurer qu'ils soient sévèrement punis. Commissaire, tu sais que tu aimes beaucoup trop bavarder. Tu ouvres ta bouche n'importe comment, babababa, pour dire n'importe quoi. Et tu sais très bien que je ne comprends pas ça. Parle le langage que je vais comprendre. Eh bien, je vous assure que ça n'arrivera plus. Madame, croyez-moi. Croyez-moi juste, ok? Je vous ai donné ma parole. Mais je veux aussi que vous sachiez que vos hommes ont aussi dépassé leurs limites. Mes hommes ont été complètement dévêtis. Et je ne suis pas content de ça. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, qu'est-ce qui a complètement dévêti tes hommes? Qu'en est-il de mes hommes? Que vous avez harcelés, embarrassés, déshonorés. Comme si cela ne suffisait pas, on a même tiré sur ma protégée. Eve, ils ont tiré sur elle, sont-ils fous? Regarde, quand tu touches l'un des miens, c'est moi que tu as touché. Tu m'entends? Madame, écoutez. Il existe une limite à laquelle nous pouvons vous protéger. Pas en déshonorant mes hommes. Madame, écoutez. C'est au-dessus de mes limites, je vous en prie. Mettez vos hommes au pas. Arrête, commissaire. C'est toi qui dois ramener tes hommes à l'ordre. Est-ce que tu m'écoutes? Les dépits, mettez vos hommes au pas. Tu connais le genre d'affaires que j'ai perdu aujourd'hui? Les millions que je devais faire et que tes hommes ont empêché? Laisse-moi te dire quelque chose, hein? C'est toi qui dois demander des excuses et pas moi. Ah, qu'est-ce qu'on raconte ici au juste? Un instant. Êtes-vous en train de dire que je n'aurai pas ma paye aujourd'hui ou quoi? Ta paye? Bien sûr que tu auras ta paye. Où est-ce que tu l'as déjà reçue? Cette honte que j'ai infligée à tes hommes, c'est ça qui est ta paye. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu vois cette affaire? C'est une affaire où tu surveilles mes arrières, je surveille les tiennes. Tu ne vas juste pas venir profiter de l'argent comme ça, non. Que cette affaire ne devienne pas comme le cas entre Judas et Jésus-Christ. Je ne vais pas l'accepter. Tu m'écoutes? Que je t'avertisse, ce qui se trouve là devant est plus que ce qui se trouve là derrière. C'est une menace ou quoi, madame? Bonne nuit. Madame, c'est comme ça que vous le voulez? Ok, on verra bien. On verra bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec Patrice, au juste? Qu'est-ce qui lui fait croire que c'est elle et Daron de ce ghetto? Cette femme se prend déjà trop la tête. Nager. Nager jusqu'à la rivière. Cette femme et son fils en ont déjà trop fait! Pour qu'est-ce qu'ils se prennent, au juste? Qui sont-ils? Daron, je veux te demander quelque chose. Étais-tu là quand tu m'as baptisé? Quand tu m'as rendu le commencement et la fin de ce ghetto? Étais-tu là? Qu'est-ce qui les pousse à se prendre la tête? Ça me fait mal. Fiston. Écoute, laisse-moi te dire, maman. Je suis en colère, nom de Dieu. Qui sont les pitons pour se
comparer au scorpion. Nous, les fils et filles de ce ghetto, s'assurerons que les choses se passent bien. Qui sont-ils? Je suis en colère. Mon cœur ne donne plus du tout la joie. Mais c'est quoi ça? Maman, laisse-moi te dire quelque chose. Le temps est venu où nous allons les empêcher de faire le bruit qu'ils font. Dans la Bible, il est écrit que le royaume de Dieu a franchement souffert de la violence. Et il n'y a que des courageux qui sont les prêtres et qui leur appartenaient. Ce n'est pas un péché. Maman, est-ce que tu m'écoutes? Fiston. C'est bon. Détends-toi. Ce n'est pas comme si je ne sais pas ce que je fais. J'ai un plan. Ou est-ce que tu ne fais plus confiance en ta mère? À t'entendre parler comme ça, mon cœur commence à être joyeux. Je sais comment est-ce que je vais frapper. Mais le moment n'est pas encore arrivé. Attendons encore quelque chose. Hmm? Tu sais quoi, laissons encore Patricia et son idiot de fils se pavaner dans ce ghetto comme ils veulent. Ça ne sert à rien d'ouvrir les yeux comme ça. Ce n'est pas celui qui a commencé la course qui va la terminer. J'ai hâte que ça commence. Du calme. Patronne, je te salue. Parle, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un message. Message. Il vient de qui? Il vient d'elle. La révérende de mer, tu te Qu'est-ce que je dois encore faire? Oui, les bigots. Maman, tu es géniale. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je me suis dit que je devais connaître des plans pour la prochaine étape, non? Tu comprends? On va faire ça demain. Demain matin. Maman, non. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, non. J'ai oublié que je joue et les autres gars qui ont rempli la dernière mission récupèrent encore. Vous allez vous reposer. Celui-ci n'est pas un jeu. Je vais envoyer Maxi et l'autre. Non, maman, non. En fait, maman, s'il te plaît. C'est toi qui as toute l'autorité, c'est toi qui as le dernier mot. Mais, Maxi. Regarde, maman, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas prêts. Ils sont prêts. C'est ce genre de... Maman, voici ce qui va se passer. Hein. Je vais les diriger. Je vais les diriger. Wes, tu ne peux pas te reposer? Détends-toi pour une fois. Que les autres le fassent. Maman, je suis prêt. Hein? Ma révérende mère, ma chère Daronne, maman, dis-moi, tu n'étais toujours pas prête? Et comment est-ce que toi qui es ma mère, es toujours prête et moi, je ne serai pas prêt? Ils ne sont pas prêts. Ma Daronne, ils sont pas prêts. Ma grande Daronne. Maman, je vais la diriger. Quand le moment de se reposer viendra, je vais me reposer. Mais pour l'instant, nous devons accumuler tout l'argent, le garder et le dépenser. Ma révérende mère. Pas de problème. Maman, tu me connais. Quoi de neuf? Tu as déjà établi tout le plan? Fais-moi confiance. J'ai déjà tout mis en place. En fait, ceci est une petite affaire. Reviens plus tard, il y a quelqu'un avec qui je suis en train de... Hé hey, ma révérende mère. Hé hey, ma maman. Hé hey, ma révérende pas. Mère. C'est pas pour les petits garçons. Puissante Daronne. La puissante Daronne. Qu'est-ce que tu veux? Oh, la puissante Daronne. Comme tu... Laisse tomber. Oh, la Daronne, je te vénère. Les affaires que je gère, tu connais, la Daronne. Je vais repasser. Okay. C'est compris. Boss. Je te salue. Écoute, il y a un truc qui me tracasse franchement l'esprit. Écoute, j'ai appris dans les rumeurs que tu as un coup que tu planifies avec Maxi et les membres de son cartel, boss. Quoi le plan? Est-ce vrai? Oui. Ok, je comprends, boss. Mais tu sais que tu peux compter sur moi, boss. C'est moi, Jojo. Ton gars loyal. Tu sais que ma loyauté ne peut pas dans ce tango qu'il s'agit de toi. Elle est infaillible. J'ai besoin d'argent, peu importe la somme. L'argent, c'est l'argent, boss, tu comprends ça? Je comprends, Jojo. Vous devez vous reposer. Voyons, boss, pourquoi tu parles comme ça? Boss, c'est quand même toi, boss. C'est quoi ce langage? De quel repos tu parles? Nous ne sommes pas fatigués. Jojo, t'es fatigué, toi? Non, pas du tout. Je ne le suis pas. Oh, s'il te plaît, boss, nous n'avons pas besoin de repos. Implique-nous, s'il te plaît. Python! Brisez leur soi mort! Python! Brisez leur soi mort! Hmm? Détendez-vous. Hmm? Jojo. Boss. Tina. Je t'écoute.
Détendez-vous. Il reste le nombre dont j'ai besoin. Et d'ailleurs, c'est une très petite affaire. Hein? Détendez-vous. Boss, boss, je t'en prie. Nous avons été loyaux à ton gouvernement depuis le premier jour. Depuis la jeunesse, nous sommes avec toi. Tu sais que nous sommes en état d'alerte. Un seul ordre, on avance, un seul ordre, on bouge. Je t'en prie, je t'en supplie. Allez, bon, non. Qu'est-ce que j'entends là? L'agent. Boss, te fâche pas. Nous sommes toujours à ta disposition. Mais j'ai entendu dire ce quoi tu n'as fait de banque. Tu vous voulez braquer une banque. Tu fric. Encore du fric. Sans ceci, boss. Jojo. Boss, tu vois cette information que tu crois avoir? Elle n'est pas officielle. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on va retirer de l'argent d'un endroit à un autre. Et la sécurité n'est pas stricte. Et la raison pour laquelle nous avons cette information est que la révérende mère, la puissante daronne, est impliquée. Je vous ai dit de vous détendre. C'est un petit argent. Vous comprenez? Quand nous serons là-bas, nous allons prendre en charge la sécurité. Nous allons tout prendre. La seule chose que je veux que vous fassiez pour moi, c'est d'être en état d'alerte. Python! Nous sommes prêts! Pas de belay! Je suis toujours à ta disposition. Grand boss! Boss, je suis pas content. Je m'en assure toujours. On y va. Franchement, je n'ai pas arrêté de patienter. Ça devient comme si je ne sais pas ce que je fais. Et je ne comprends vraiment pas. Marx, je t'ai dit d'oublier ce sujet. Non, hein? Nous allons régler cette affaire quand nous aurons fini avec ce coup, hein? On me dit Bico. Yalo? Oui. Ok, pas de soucis. L'opération est déjà prête. C'est bon. C'est prêt. Hey, ça va péter grave. Et ce ne sera pas facile. Kassa, assemble les pitons. Opération dans 30 minutes. Ouais. Rémi Bico. Bico. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Allez-y. S'il nous tarde, nous allons tous les détruire. Ici. Allez. Quittons-le. Allez. Allô. Est-ce que tu es?
moins qu'un si je pars de Gonzi. Oui, sur la route de la banque. Nous avons besoin de renforts tout de suite. Oui, venez sur le champ, nous avons besoin de renforts. Ok. Inspecteur Jerry, inspecteur de la police de la sous-section. Bien sûr, monsieur. Nous avons entendu des coups de feu venant de cette direction. C'est pour ça que nous sommes ici. Par là. Ouais, monsieur. Effectivement, nous avons besoin de plus de renforts dans ce coin. Thank you.
Des milliardaires. Nous des milliardaires. Des milliardaires. Des milliardaires. Des milliardaires. Nous sommes milliardaires. Expérience. Oui, boss. Où sont les autres? Ils se sont dispersés comme prévu. Fiston, parle-moi, où en êtes-vous? Puissante mère, révérende mère, nous avons sécurisé l'argent, nous avons des millions maintenant. Beau travail, beau travail. Mon fils, y a-t-il des blessés? Non, maman, pas de blessés. Nous allons tous bien, nous allons tous bien. Entrez à la maison, votre mère vous attend. Maman, tu sais quoi? Nous allons d'abord nous changer, puis nous allons venir avec l'argent. Attends-nous, on arrive tout de suite, tout de suite. Hey! Hey! Mon Dieu, tu es impliqué. Ils ont tiré de ce côté. Ouais. À quoi là? Boss! Saka! Boss! Sécurisez l'argent, sécurisez l'argent. Expérience! Oui, boss! Suis-moi. Très bien. Tu es fou? Les hommes tirent par là-bas et on me dit de rester sur place. Le patron nous a demandé de surveiller l'argent. Où est-ce que tu vas? Les gars, venez. Venez. La police est partout. Qu'est-ce que tu fous là? Où es-tu là? Où est Marcy et Kassa? Boss, on s'est séparés. Vous êtes séparés? Oui, on s'est séparés. Expérience. Patron. Où est Juju qui nous a suivis maintenant? Du tout. Eh oui. Il a disparu. Quand je me suis retourné, je ne l'ai plus revu. Hey! Juju a disparu. Mais boss... Maintenant, tout le monde a disparu. Mais qu'est-ce qui se passe là? Oh, wow. On dirait que Juju a perdu la tête. Expérience. Oui, boss. C'est ce que tu vas faire maintenant? Tu vas aller chercher Juju. Max, Kassa, tout le monde. Tu m'entends? Tout le monde.
Amène-les dans la maison, l'argent se trouve. Vas-y. C'est noté. Ah ah. Bidon. Oui, patron. Avançons. Bico, bico. J'ai ton coup d'œil. Bala ? Oui, patron. Allez, Lida, prends de l'argent. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Les gars, venez. J'ai vu des traces de pas là-dedans, mais je ne peux plus les retracer. Attendez. Par là, on y va. Allons-y. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Non, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Je vous supplie au nom de Jésus, ne me tuez pas. Nous sommes dans la forêt de Ketou. Ne fions pas ces gens, combattons-les. Patron, c'est ici, hein. Ici, c'est la forêt de Ketou. S'il vous plaît, partons d'ici, sur le champ. Parce que je sais que tout le monde connaît les conséquences de l'endroit où on se trouve là. Rentrons. Vous êtes malade? Pourquoi est-ce que vous chialez? Vous avez oublié que ce sont les gens qui nous ont conduits ici? Et que nous devons les trouver? Est-ce que vous avez oublié que nous sommes en mission? Mais Capo... Encore un mot, et tu iras retrouver tes ancêtres tout de suite. Tu es malade. Maintenant, on bouge! Voilà, nous sommes tous en danger. Oh.
sont passés par ici. Hein? Officier, allons-y. Allez, revenez ici. Où pensez-vous aller? Officier... Vous savez ce qui se trouve là-bas? Revenez, retirez-vous immédiatement. Recharger mes balles, monsieur. Ces gars me rendent dingue. Ils sont déterminés. Comment? Tu demandes comment? Tu ne sais pas où ces gars sont entrés? Là-bas, c'est la forêt des Keto. Une très mauvaise forêt. Tu demandes comment? Ferme-la. Nous allons les suivre. Peu importe la situation. Nous allons les suivre. Inspecteur Jerry, n'avez-vous pas entendu le sergent Mike? Il a dit que cette forêt était maléfique. Alors, qu'est-ce que tu suggères, inspecteur Justina? Est-ce que tu suggères qu'on les laisse s'échapper et retourner au bureau? Et quand je vais rentrer au bureau, qu'est-ce que tu veux que je dise au commissaire? Tu veux que je lui raconte quoi? Monsieur, c'est une forêt maléfique, comme le sergent Mike l'a dit. Alors, ils ne sortiront pas vivants. Ne me dites pas que vous croyez à des simples stupides superstitions. Allez, inspecteur Jerry, n'avez-vous pas entendu parler de la fameuse forêt Keto? Il y a des rumeurs. Comme mauvais esprit réside. Inspecteur, je ne crois pas aux rumeurs. Non, je ne crois pas. Ce ne sont pas des rumeurs. J'en ai entendu parler. C'est réel. C'est... Inspecteur Justina. Monsieur. Écoutez, vous tous. Je m'en fous de ce que vous dites. Je m'en fous de tout. Nous irons là-dedans et nous les arrêterons, point final. Non, monsieur. C'est risqué, monsieur. Inspecteur Justina, ne me dites pas que vous êtes entré dans la police pour les jeux d'enfants. C'est ça? Écoutez-moi, vous tous. Écoutez-moi attentivement. Nous irons là-dedans, nous allons les attraper, récupérer cet argent, vous comprenez? Avec tout mon respect, monsieur, il ne s'agit plus ici d'une affaire naturelle. C'est spirituel. Il y a un esprit maléfique qui réside dans cette forêt. C'est risqué, monsieur. Inspecteur Justina. Monsieur. Car en Jésus-Christ, je me tiens sur le seuil des possibilités infinies. Je n'ai peur d'aucun démon. Je ne crains pas le diable. Je n'ai pas peur. Maintenant, écoutez-moi tous. Écoutez, je vous ai dit et je vous ai ordonné. Nous irons dans cette forêt. Nous allons les attraper. Point final. Et qui est à la commande ici? Vous, monsieur. Qui est à la commande ici? Vous, monsieur. Vous savez quoi? Nous allons entrer dans cette forêt et arrêter ces voleurs. Vous comprenez? Oui, monsieur. Maintenant, avancez. Monsieur. Avancez. Oui, monsieur. Cessez le feu! Arrêtez de tirer!
mince. Gros cul est morte. Arrête. Ce n'est pas une affaire de gros cul. Tu m'écoutes? Si elle est morte, elle est morte. Nous qui sommes en vie, nous devons nous échapper. C'est ce qui me préoccupe. Oubliez gros cul. S'il vous plaît. Vous m'écoutez? Nancy, désolé, tu as mal? Ça me fait trop mal. Désolé. Meuf, il faut que tu supportes. Il faut que tu supportes jusqu'à ce qu'on trouve un endroit sûr. Là-bas, on va te trouver de l'aide. Ce n'est pas du tout un problème. Nous devons déjà trouver un endroit sûr en ce moment. Nous allons entrer dans cette forêt maintenant. Maintenant. Boss, de quelle forêt est-ce que tu parles? Cette forêt, c'est la forêt qui est tout. Avec cette douleur, je ne peux pas entrer dans cette forêt. T'es si tu oublies à qui tu parles? Tu as oublié que je suis West, le premier? Bico. Tu as oublié? Tu me parles de la forêt de Ketou? Mais c'est moi qui dirige la forêt de Ketou, je la connais. Je sais que c'est une forêt dangereuse. Je sais que les démons sont dans la forêt. Je sais qu'on fait des sacrifices là-bas et que personne ne doit entrer dans la forêt. Et nous n'avons pas le choix. Tu sais pourquoi? Parce que la police ne pourra pas entrer dans cette forêt avec nous. Ils savent qu'elle est dangereuse. Il y a deux options. Soit nous les attendons et que ces gens viennent nous tuer ici, ou qu'on entre dans la forêt et on s'échappe. Après qu'on se soit échappé, alors je dirai à la révérende mère d'apaiser les dieux. Qu'est-ce que vous racontez? Ça c'est une mission suicide. À quoi là? C'est une mission patron suicide. T'es avec moi? Je suis avec toi, patron. 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 Maintenant, allons-y. Patron. Il ne faut pas partir de notre groupe. Boss, ce sont des démons. Tu vas arrêter de dire ça? Qui sont les démons? Nous sommes les démons. Python, vous ne pouvez pas répondre de prison leur soit à mort? Vous ne pouvez pas? Boss, on n'a pas le temps pour ça. Oh, ça se retourne à disparaître de votre bouche, n'est-ce pas? Ça a disparu. Oh, Jean Cruel. Qu'est-ce qu'il y a plus que ça que nous n'avons pas encore vu? Est-ce qu'on ne coupe pas la tête des gens? Nous avons coupé des gens en deux. Nous avons éventré des gens, n'est-ce pas? Ce n'est pas nous qui coupons la tête des gens? De quel démon parlez-vous? Ce n'est pas la même chose. Je répète encore, il n'y a rien comme ça. Il n'y a rien comme démon. Il n'y a qu'un seul patron. De quoi est-ce que vous parlez? Calmez-vous. Les démons. Ce n'est pas la même chose. Python. Lève-toi. Python. Allez, debout! Ne bougez pas! Python, ne bougez pas! On y va! Allez, Python! Doucement. C'est bon. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça ressemble à un serpent? Je me demande comment tu as été recruté dans l'école de police en premier lieu. Essaye plus ça. Oui, monsieur. Sergent Moussa, je suis la femme ici, je suis censée avoir peur, mais ce n'est pas le cas. Sois brave. Détective, tu veux me dire que tu n'as pas peur de ces fermes? Ferme-la. Ça suffit avec ces conneries. Je peux entendre ces bêtises. C'est quoi ça?
Est-ce que tu connais un démon? La ferme! Les démons sont spirituels et non physiques. D'où est-ce que ça vient? C'est par là. On y va. Je suis crevé. Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu un truc pareil de toute ma vie. Boss, je n'ai jamais vu ça. Je jure. Je ne comprends pas, hein? Je jure. C'était quoi ça au juste, hein? C'était quoi ça? Expérience? Écoute, je sais pas ce que c'était. Je te dis que je sais pas ce que c'était. C'était pas un... C'était pas un être humain, ça. C'était un vrai démon, l'autre là. Franchement, même moi qui sais judo, je ne sais même plus ça. Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes en train de me déranger? Je suis en train de réfléchir. Je réfléchis. Alors ne permettez pas que ma tête détruise vos têtes. Alors je vais vous dire. Vous voyez cette forêt où je suis entré? Ces trous du cul qui m'ont poussé à entrer dans cette forêt. Moi, Maxi, je vais m'en sortir. Vous comprenez? Vous voyez cet argent? Je dois le récupérer! Nous n'avons même pas parlé des gens de cette forêt que nous n'avons pas encore vus. Je dois voir ces gens, boss, je dois les voir. Arrêtez de nous embrouiller avec je vos dois paroles. Voir. Arrêtez. Si on meurt tous, à quoi va servir l'argent si je meurs? Tu es malade? Si j'entends encore un mot de ta part, tu vas voir ce que je vais te faire. Qu'est-ce que tu racontes? Une C'était erreur. Une erreur. Une erreur. Tu dis que c'est une erreur. Une grosse erreur. Tu dis que c'est une erreur. Idiot. Boss, réfléchissez, ouais, réfléchissez. Vous voyez? Écoutez, vous voyez cet argent? Rien ne m'empêchera de sortir avec cet argent de cette forêt. Démons, 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 où sont les démons? Si le démon sait qu'il est dans cette forêt, alors qu'il apparaisse et qu'on se voit face à face, alors je croirai à ce démon. Mais si je ne l'ai pas encore vu, si j'entends encore des sans parler de mon... Je te crois! Je te crois! Allons-y! Allez, on y va! On y va! Il s'est passé quoi ici? On dirait un barbecue! Où crois-tu que tu es? Je l'ai dit! Boss, je l'ai dit. J'ai dit qu'on était dans un voie de nord et tout, mais on ne va pas écouter. Maintenant, les flics sont à notre hausse. Ah! Je n'ai plus de balles. Mes balles sont finies. Ah. Non, 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 non. Ce n'est pas juste une simple affaire, boss. Rentrons. Oui, oui, oui. On avance, on avance, on avance, on avance. Partons. On y va, on y va. On avance. On y va, non. Avancez, avancez. Je ne sais pas. Avancez. Non. Avancez. Envoie-moi un chargeur! Allez, dépêche! Meuf, reste là, on revient. N'arrêtez pas de tirer! Je
Je rappelle, retrait. Retrait, les gars. Retrait, les gars. Debout. Donne-moi l'arme. Viens. Allons-y. Viens. Par là. Allons par là. C'est quoi ça? Oh mon Dieu! Inspecteur Jerry, j'ai peur, j'ai déjà peur. Calme-toi, tu te calmes. Calme-toi. Mes pieds n'en peuvent plus. Boucle-la ! Arrête de te plaindre ! Ne me demandez pas de la boucler. Nos collègues sont morts. Et c'était quoi qu'on a vu là-bas ? Fermez-la, vous tous ! Fermez-la ! Oui, monsieur. Vous la fermez et vous arrêtez de nous distraire. Qu'est-ce qu'il y a ? On devra se concentrer sur comment arrêter ces malfrats et récupérer cet argent. Vous êtes là à nous distraire. On n'a pas besoin de ça maintenant. Fermez vos bouches ! Monsieur, nous avons compris. Attention ! Attention ! Retrait ! Patron, on dirait qu'il y a une route là-bas. Il y a un chemin là-bas. Regarde par là, tu verras. Tu ne vois pas ? Hein, patron ? Regarde. Ah. Ici. Donc, dans cette forêt, tu peux voir la gare d'ici ? Tu ne vois pas ? Tu vois pas le pont et la piscine ? Ici. Je dirais que cette balle est entrée dans ton cerveau. S'il te plaît, calme-toi et laisse-moi réfléchir. Laisse-moi chercher un moyen, s'il te plaît. On y va. Allez où ? Monsieur, moi, je n'y vais plus. Je vais retourner tranquillement au bureau. Franchement, cette mission ne m'intéresse plus du tout. Et où est-ce que tu vas ? Où est-ce que tu vas ? Arrête-toi ! Tu as perdu la tête ? Tu es devenu fou ? Comment on se désobéit à mes ordres ? Monsieur, je ne peux plus continuer. Ferme-la ! Ce que tu fais, c'est ce qu'on appelle un acte d'insubordination. Comment on se parle quand je parle ? Inspecteur Jerry, allez-y doucement avec lui. Arrêtez d'être aussi dur envers nous. Regardez les cadavres qui traînent partout. Inspecteur Justina, tu ferais mieux de quitter sur mon chemin. Je ne le ferai pas, monsieur. Dégage de mon chemin. Je ne le ferai pas, monsieur. Je suis votre supérieur ici. Et l'ordre est la première loi dans l'école de police. Alors quand je dis dégage de mon chemin, tu le dégages de mon chemin. Je ne le ferai pas, monsieur. J'ai dit dégage de mon chemin. Je ne le ferai pas. On dirait que je viens d'entendre un coup de feu par là. J'espère que nos frères et la police n'ont pas commencé à se tirer dessus. Ou encore le démon les a attaqués. Lizzie, je t'en supplie au nom de Dieu. Dis plus maintenant qu'est-ce qu'il y a avec toi. Il y avait cette affaire des démons. Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Vu quoi? Vous voyez maintenant des choses, n'est-ce pas? Vous voyez maintenant je des choses. Je ne vois pas des choses. Le voilà. Je sais ce que je... C'est quoi le problème? Bon, s'il faut avoir les yeux pour voir ces démons, ce n'est pas tout le monde qui les voit. Il faut avoir les yeux pour voir les démons et qu'on sera de retour au ghetto. Tu vas ouvrir ta bouche pour dire que tu es quelque chose de sorcière. Les sorcières servent les démons? C'est le démon qui donne les pouvoirs aux sorcières. C'est le démon qui donne le pouvoir aux sorcières? Une sorcière n'est pas la cousine du démon? Comment est-ce que le démon ne va pas te hanter? J'en ai marre. Plus un mot. C'est moi ou est-ce le premier? S'il vous plaît, calmez-vous. C'est moi qui suis en charge. Je l'ai vu, c'est réel.
sortons d'ici. Retrait. 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 Arrêtez d'être aussi égoïste. Vous avez oublié que l'équipe qui est entrée dans cette forêt est grande. Vous ne pensez pas aux autres s'ils vont bien ou pas. Vous ne faites que parler de vous échapper. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Boss, mais c'est chacun pour soi, hein. C'est chacun pour soi. Et toi, la boucle. Si tu parles encore, je vais te tirer dessus. T'es malade, tu veux que je te tue? Je m'excuse. T'as perdu la tête? T'as oublié à qui tu t'adresses? À moi, Wes, le premier? Le tout puissant? Miko, 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 Miko. Si un démon entre dans cette putain de forêt, s'il y a un démon dans cette forêt, peu importe comment c'est nous que le démon va soutenir et tuer la police. Parce que le démon n'aime pas la police. Tu ne comprends pas? Comprenez ce que je suis spirituel. Vous êtes dans une vie spirituelle actuellement. Je suis spirituel. Je suis le tout puissant. Le tout puissant. Lizzie. Est-ce que tu m'écoutes? Tu vas maintenant rester avec Tessie. Tu vas rester ici, rester ici avec Tessie. Permanemment, tu m'écoutes? Voilà. Elle ne pourra pas nous suivre. Suis-moi. Passe. Passe. Patron, je vais te suivre. Passe. Je vais te suivre. Voilà. Ah. Ah. Le policier est mort, mais ce n'est pas une balle. C'est quoi ça? Patron, Izzy l'a dit. Izzy l'a dit, patron. C'est un démon. Il n'y a qu'un démon qui peut faire ça. C'est un... Si j'entends encore démon dans ta bouche, je vais te tuer ici. Rien ne se passera, je suis malade. Pardon. S'il te plaît. Pardon. Va fuir le gars si tu vas trouver un téléphone. Je vais appeler ma mère pour lui raconter ce qui se passe. Désolée, c'est la douleur qui fait que je n'arrive plus à parler. Reste tranquille. Te fâche pas. Reste dans ton coin. Attendez. Où sont les autres? Où sont les autres? Où sont les autres? Où sont les la autres? Ferme. Où sont les la ferme. Autres? Combien est-ce qu'on vous paye pour que vous vouliez tous nous tuer? C'est quel genre de mission ça? Qu'est-ce qui va pas avec toi? Ils ont tous arrête disparu. Arrête de faire du bruit, tu vas attirer l'attention. Oui, chef. Allons-y, allons-y, allons-y. Allez, suis-moi. Fâche-toi. Ne me laissez pas ici, s'il vous plaît, non. Je ne veux pas rester seule ici, s'il Tais-toi. Vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous bougez, je vais vous tirer dessus moi-même. Et je dirai que je vous ai tiré dessus par accident, je vous le jure. Tu vas me tirer dessus? Je le ferai. Tu veux vraiment tirer sur moi? Je le ferai. Alors vas-y, tire sur moi. Je le ferai, s'il vous plaît. Tu l'as fermé? Non! 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 Non!
Où allez-y? Dizzy! Hey! Hey! C'est quoi ça? Où allez-y? Va pas là! Va-t'en! Cherchez Lizzy n'importe où, et peu importe où elle se trouve, qu'elle nous renforce! Maintenant! Vas-y! D'accord, patron. Ici. Ici. Écoute. Je suis désolé. Je comprends ce que tu traverses. Mais tu sais que Python reste toujours un Python. Hein? Je devais rester avec toi, mais si je le faisais, ça n'allait pas aider. Je suis vraiment désolé. Vraiment désolé. Très choquant. Ouais. Vraiment horrible. Hey! Oh! Hey, Zouzou! Hey, Zouzou! Hey, Zouzou! Allez, allons-nous-en! On s'arrache! On s'arrache!
s'est-il passé? En fait, je l'ai tué. Tu l'as tué? C'était une erreur. Abala! 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 Tu as tué un des nôtres. Abala! Non, mais c'est quoi ça? Les comment tu fais? C'était une erreur. Non. Les démons. Hé! Par ici! Démon! Peu importe comment tu t'appelles! Ça suffit avec tous ces jeux! Ça suffit! Montre-toi! C'est moi qui parle! Je m'appelle West le premier, alias le tout-puissant, le guerrier! Biko Biko! Je suis mon propre chef! J'inspire la peur! Démon! Aie peur, parce que je suis la peur. La peur a peur de la peur. En avant sans reculer. Ennemi Biko. Biko Biko. Ennemi Biko! Démon! Je n'ai plus peur de toi, montre-toi! Que la peur affronte la peur! Peu importe comment tu veux que ce soit! Qu'il en soit aussi! Je suis West le premier! Alias, le tout-puissant, le grand guerrier, Biko Biko, montre-toi. Dépose ton arme! Dépose-la maintenant! Dépose ton arme et dépose cet argent! Fais comme il a dit! C'est la fin de la route pour toi, West. Officier, méfie-toi! Tu ne sais pas que nous sommes dans la forêt? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit dépose ton arme! Je m'en fous d'où on se trouve! Dépose-la! Hé 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 hé!
Viton ! Brisez les armes ! Viton ! Brisez les armes ! Viton ! Brisez les armes ! Oh, Mirike ! Bike, Bike 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 ! Hey ! Je suis content de vous voir. Je le jure ! Par le nom de cet homme qui est dans le ciel, que je suis content de vous voir. Et... Oh, Mirike ! Bike, Bike ! Ah, toi ! Tu me disais quelque chose avant, tu me donnais un ordre. C'était sur quoi? C'était sur l'argent ou... Tu sais que Dieu va te punir? Non. Tu ne veux pas seulement te punir. Toute ta génération, ton père ne connaîtra pas le bonheur. Ta mère ne connaîtra pas le bonheur. Ton oncle, tu ne connaîtras le bonheur. Attends. Est-ce que c'est ton père qui possédait ce van? Ou c'est ton père qui possède la banque? Ou c'est à vous qu'appartient l'argent que j'ai volé? C'est quoi ton problème? Écoute, si j'étais très méchant, tu vois? Heureusement que Dieu nous recommande d'être bon. Si j'étais méchant, est-ce que tu es célibataire ou en couple? Tu vois, elle est célibataire. Si je la tue, elle va mourir, elle ne va pas se marier, elle va partir. Tu comprends? Si je suis méchant, je vais dire à mes hommes de tirer sur vous. Ils vont le faire. Python! Python! Hey! Juju! Expérience! Expérience! Hey! Python! Python! Retrait! Retrait! Python! Oh mon Dieu! Nous sommes finis. Nous allons tous mourir. Cette chose va tous nous tuer. Et célibataire, célibataire, écoute-moi. Personne ne mourra ici. Je vous assure que personne ne va mourir dans cette forêt. Je suis West le premier. Alias le tout puissant. Biko, Biko. Meuf, personne ne va mourir ici. Toi, je peux te dire ou peu importe comment on t'appelle. Regarde-moi très bien. Bien! Les policiers ont tué mes hommes! Ils ont également tué les policiers! C'est qui l'ennemi maintenant? Qui est en train de tuer à ce moment? C'est le démon! C'est l'ennemi commun que nous avons ensemble maintenant! Alors je suggère qu'on collabore! Je répète, je suggère qu'on collabore! Détruisons ce démon une fois pour toutes et trouvons notre chemin hors de cette forêt! Tu racontes des sottises, monsieur West! Tu racontes des bêtises! Je ne vais jamais de la vie collaborer avec des criminels comme vous! Je ne le ferai pas! Je suis dans cette forêt pour une seule raison, de tous vous arrêter. Et je dois faire cela, même si c'est la dernière chose que je dois faire sur Terre. Je dois tous vous faire arrêter. Inspecteur Thierry, s'il vous plaît, je vous prie de les écouter. Ils ont raison. Hein? Collaborons et combattons cette chose pour pouvoir sortir d'ici en vie. C'est le seul moyen. Que diable racontes-tu, inspecteur Justina? Tu racontes quoi, là? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien. As-tu oublié pourquoi nous sommes ici? Je le sais. Nous sommes ici pour arrêter ces criminels. Et c'est ce qu'on va. Tais-toi! Et c'est ça que nous devons faire. Qu'est-ce que tu veux que je raconte au commissaire quand je vais rentrer au bureau? Mais non, reste en dehors de ça. Reste en dehors. C'est quoi ton problème? Comment est-ce que tu vas le faire maintenant? Vu que les démons nous tuent l'un après l'autre, comment est-ce que tu vas le faire? Ok, vas-y, tue les démons. Et puis arrête-nous. C'est exactement ce que je vais faire. Je n'ai peur d'aucun démon. En Jésus-Christ, je me tiens sur le seuil des possibilités infinies. Je ne crains aucun mal. Ma seule mission ici est de vous arrêter. Et je dois faire cela. T'es un idiot. Ce que tu viens de dire là maintenant confirme que tu es un vrai idiot. Non, en entrant dans cette forêt, tu aurais dû venir avec ton pasteur qui vient de construire son église ici. Tu crois que t'es à l'église? Tu appelles Jésus. Mec, ouvre tes yeux, ici ce n'est pas l'église.
Ici, c'est la forêt. Pourquoi est-ce que tu déranges Jésus? Non, dis-moi, pourquoi tu déranges Jésus? Quand tu es entré dans cette forêt, t'as dit à Jésus que tu es entré dans cette forêt? Non, maintenant, il y a un souci. Si tu appelles Jésus, c'est comme ça que vous faites. On dirait que t'es fou. On dirait que si j'entends encore Jésus dans ta bouche, je vais m'occuper de toi. Idiot. Tu es stupide. Putain! Eh, pas. Partons d'ici. Tu es très stupide. S'il vous plaît, ne partez pas. S'il vous plaît, ne me laissez pas ici. Inspecteur Jerry, revenez à la réalité. Je ne veux pas mourir. Utilisez votre tête. Moi, je ne veux pas mourir ici. Allons avec eux. Et tu crois que la seule façon de faire ça, c'est de se joindre à cette malfrat? Cela est impossible, inspecteur Justina. C'est impossible. Je dois les arrêter. Et c'est pour ça que je suis là. Votre tête. Utilisez votre tête. Célibataire. T'es un officier très intelligent. Je vois que tu es plus intelligente que cet idiot. Ne t'en fais pas, quand on va sortir d'ici, je vais te recommander pour une promotion. C'est toi qui es censé diriger cette équipe. Retire cette chose devant moi. Jerry, ou c'est quoi ton nom? T'es sûr que tu n'as pas un problème familial? Non, dis-moi. Tu insistes carrément à faire tout ça. Laisse-moi te dire une chose. Peu importe ce que tu feras dans cette forêt, tu ne deviendras pas commissaire. Non, tu ne deviendras jamais commissaire dans ta carrière. Pourquoi est-ce que tu prends ce travail à cœur? Tu es malade? Tu n'as pas vu les réalités? Je ne suis pas ton ennemi ici, tu n'es pas mon ennemi ici. Tu comprends? Nous sommes des êtres humains et notre ennemi c'est le démon. Alors collaborons et tuons ce démon ensemble. Tu es là à prendre ton travail à cœur. Tu es là à prendre ton travail à cœur. Le démon te tuera. Piton! Epa! Avançons s'il vous plaît. Lizzie! Lancez tout le monde! Partons! Inspecteur Justina! Inspecteur Justina! Inspecteur Justina! Inspecteur Justina! Est-ce que tu m'entends? Tu sens? Inspecteur Justina! Non! Démon! Viens là! Allez, approche! Viens et affronte-moi! Viens là! Allez, viens, espèce de démon! Viens, espèce de démon! Viens m'affronter! Allez, sors, espèce de moins que rien! Viens, je t'attends! Espèce de satané démon! Viens et affronte-moi! Allez, viens, je t'attends, espèce d'idiot! Viens, tu as peur! Viens m'affronter! Viens m'affronter! Viens, espèce d'idiot! Allez, viens, je t'attends! Kassa! 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 Par là! Il est par là! Le voilà! Voilà cet idiot! Le voilà! Voilà ce salaud! Espèce d'idiot! Maxi! Maxi!
Baisse ton arme. Monsieur West, baisse ton arme. Je t'ai dit que j'allais t'arrêter. Même si c'est la dernière chose que je dois faire dans ma vie. Je suis un officier de la loi. Et j'ai juré de protéger les vies et les propriétés des citoyens de cette sainte cité. Et je dois faire cela, même si cela prendra ma vie. Maintenant, dépose ton arme et jette-le vers moi. Et je vais voir tes mains sur ta tête, tout de suite. Une boîte d'allumettes partie en voyage. Elle a dit à ses enfants de garder la maison. Si un pauvre vient, donnez-lui à manger. Si un riche vient, donnez-lui une bonne gifle. Récit de la maternelle. Je viens de me souvenir quand j'étais encore à la maternelle. Inspecteur Durie, t'es allé à la maternelle? Qu'est-ce que c'est que cette question stupide? Ne fais rien de stupide, Monsieur West. Pose ton arme. Jerry. C'est mon nom. Je suis West, le premier. Alias le Tout-Puissant. Le grand guerrier. On dirait que t'es fou. Je dois te rappeler quelque chose. Il n'y a plus que toi et moi qui restons dans cette forêt. Moi, West le premier. Il y a deux choses qui vont se passer. Soit tu vas me tuer, soit je vais te tuer. Tu vois cette arme? Je ne vais pas l'utiliser pour te tuer. J'ai utilisé mes mains, ces mains, pour te déchirer, comme le démon déchire tout le monde. Parce que moi, moi-même, je suis un démon. Mais c'est intelligent. Rejoins-moi maintenant pour qu'on détruise ces démons ensemble. Tu crois que j'ai peur de toi, Monsieur West? Je suis le Tout-Puissant. J'ai pas peur de toi. Tu ne peux rien me faire. Je pourrais te détruire. Tu ne peux rien me faire. Je pourrais te déchirer un morceau. Je suis un officier de la loi. Tu ne peux rien me... D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que tu me le demandes? Nous sommes associés? Pourquoi est-ce que tu me demandes? D'où est-ce que ça vient? Ne me demande plus. Officier, alors on s'associe ou pas? Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? Es-tu stupide? Alors, on collabore? Que crois-tu que je suis en train de faire? Tu es en ce démon! Non. Quoi? Tourne-toi. Où ça? Derrière, retourne-toi. Père céleste qui es au ciel. Mon Seigneur, tu es tout puissant, je t'appelle en ce moment. Père, voici déjà des jours que j'ai pas vu, j'ai pas eu l'aide de mettre mon fils, papa. Je t'en prie, mon Dieu. Mon Dieu. Je ne sais pas ce que je peux faire maintenant, Timo. Mon Dieu, je t'en prie, prends pitié de moi, Père éternel. Si je ne retrouve pas mon fils, mon Dieu, si je ne retrouve pas mon garçon, je vais déchirer cette Bible, Père, et je saurai que tu n'es pas là au ciel pour voir ce qui se passe ici sur terre, mon Dieu. Éternel des armées, ah, et Boubédiqué, Père, mon cœur est lourd, hey, mon fils, Père des mères des orphelins, Seigneur, je me présente devant toi. Seigneur, je me présente devant toi, aie pitié de moi. Seigneur, ramène mon fils, n'importe où il se trouve, qu'il y ait la confusion dans le camp de l'ennemi, Seigneur. Mon Dieu, n'importe là où on le garde éternel, qu'il y ait la confusion là-bas. Mets la confusion entre eux pour que mon fils soit libre, éternel. Que mon fils soit libéré, Seigneur, il est tout ce que j'ai. Seigneur, il est tout ce que j'ai. Oh, Tchikdeke.
Ikenelaya, que mon fils rentre. Seigneur, entends mes pleurs. Entends mes pleurs. Tu as dit que tu es le Dieu des impossibilités. Tu es le Dieu des impossibilités, Seigneur. Prends pitié de moi. Oh, Seigneur, tu es le Dieu capable. Papa, je t'en prie, entends mes cris. Oh, Seigneur, prends pitié de moi, prends pitié de moi. Oh, mon Dieu éternel, qu'est-ce qui m'arrive? Aïe. Éternel, tu as dit que tu es le Dieu des impossibilités. Je t'en prie, Seigneur, tu es le Dieu qui ne change pas. Oh, Seigneur, viens changer cette situation. Hey. Ikemo, qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Parmi les dieux, Seigneur, qui est comme toi? Oh mon Dieu, tu es tout puissant. Tu es le Dieu des impossibilités. Oh, oh, oh Seigneur, viens, mon aide. Je t'en supplie, Seigneur, viens. Tu ne m'as jamais laissé seule. Oh, oh mon Dieu, viens, mon aide. Sauve mon fils. Sauve mon fils, oh Seigneur. C'est toi qui as sauvé Daniel de la fosse lion. Oh Seigneur, aide mon fils. Tu es bon, oh mon Dieu, aide-moi. Aide-moi. Démon! Je sais que tu m'entends! C'est moi qui parle! Moi, West! Le premier! Alias le tout-puissant! Le guerrier! Moi-même, je suis un démon! Je suis un démon! Moi-même! Je te mets au défi! Je te mets au défi! Je veux te défier! Un démon! Affronte! Un démon! Montre-toi! Si tu n'as pas peur, montre-toi maintenant. Si tu n'as pas peur, montre-toi maintenant. Si tu n'as pas peur, montre-toi. Thank you.
Tu ne vas pas passer la nuit avec maman? J'ai expliqué à maman comment tu te plaignais de rester seule. Elle m'a dit de passer la nuit avec toi. Mais ce n'est pas juste. Je veux dire, maman est souffrante et elle a plus besoin de toi. J'irai bien. Sérieusement, fais-moi confiance. Maman bien. Se sent mieux. Je vais passer la nuit ici. Tu es sérieuse, là? C'est vrai, c'est cool. Je veux dire, j'ai besoin d'une compagnie. J'ai constaté que tu étais occupée avec ton téléphone. Je peux savoir qui tu appelais? C'était ton copain? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Quel copain? S'il te plaît, arrête. Tu sais très bien que je ne suis pas prête pour ça. Très hilarant. Sœurette, toi et moi, nous savons que tu es vieille pour ça. Tu brises les règles comme tu veux, tu les changes comme tu veux. Hein? Alors dis-moi, honnêtement, d'où vient-il? Il vient de ce ghetto? Bien sûr que ça ne peut pas être ça. Dis-moi maintenant, qui est-il? Raconte-moi, qui est-il? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu es sérieuse? Monsieur le commissaire, tu veux dire que mon fils n'est pas à ton poste de police? Non, non. Il y a quelque chose qui se passe. Commissaire, je vais te rappeler. S'il te plaît, je vais te rappeler. Les gens sont-ils morts?
Non, non, maire du ghetto, attends. Qu'est-ce que tu racontes? West? West est dans la forêt de Ketu. Et c'est la période du sacrifice. Oui, ils ne doivent pas entrer là-bas, parce que quiconque entre là-bas va payer, et tu le sais. À ce moment où ils font leur rituel, et West est entré dans la forêt. Ghetto Mama, qu'est-ce que je vais faire? Peu importe ce qui va se passer là-bas, ça ne me concerne pas. C'est à cause de la relation que nous avons, toi et moi. C'est pour ça que je te dis tout ça, sinon je n'allais pas te le dire. Je ne peux rien faire. C'est un mensonge. Ghetto Mama, tu mens que je perde mon unique fils? Oui, tu vas faire ta part et je vais faire la mienne. Non, 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 non. Ghetto, je vais faire quelque chose. Je vais aller là-bas, je vais là-bas maintenant. Ghetto Mama, je te parle plus tard. Folle. Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te demande ce que tu fais ici, tu es folle. Maman, s'il te plaît, je suis désolée. J'ai entendu ta conversation, c'est pour ça que je t'ai suivie. Garde tes excuses pour toi, tu m'entends? Garde tes excuses pour toi, Rose. Est-ce que tu sais à quel point c'est dangereux de venir ici? Hein? Regardez cette fille, oh. Maman, s'il te plaît, je suis désolée. Écoute, tiens ce téléphone. Si j'entre dans cette forêt et que je ne ressors pas dans les 30 minutes, tu appelles les gars. Est-ce que tu entends ce que je dis? Oui, ma. Place-toi là, ne bouge pas. Oh. Oui, reste ma. Là. Pardon, dégage. Reste ici. West! West! Libère tes enfants et rends-les joyeux. Au nom de Jésus.
Je déclare qu'ils sont libres. Je déclare qu'ils sont libérés. Et j'envoie la confusion dans le camp de l'ennemi par le nom de Jésus-Christ. Amen. West! 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 Lady B, qu'est-ce que tu fais ici? Alors que tu sais que nous faisons des sacrifices. Moudieka, nous avons apporté l'oracle et ce n'est pas l'oracle qui nous a amenés. Tu n'es qu'un servant. Je sais que tu es une personne cruelle. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce sont mes hommes qui sont accidentellement entrés dans la forêt. Ils ne savaient pas que tu faisais des sacrifices. Même Ghetto Mama sait que je suis ici. Hein? Regarde mes hommes, mon enfant aussi ici. Je t'en supplie, relâche-les. Alors, comme je suis en train de parler, que tous les pouvoirs que tu possèdes te lâchent sans que tu ne le saches. N'importe quel sacrifice que je peux faire pour apaiser l'oracle, je le ferai. Laisse-les juste partir. Mama Générale a parlé. Relâche-les juste. N'importe quoi que je puisse faire pour apaiser l'oracle, je le ferai. Laisse-les juste partir. Tu sais bien, quiconque entre dans cette forêt quand nous faisons des sacrifices aura des ennuis. Ils sont entrés ici et ils vont mourir. Toi, tu vas mourir. C'est un mensonge. Rose! Rose, ça suffit! Rose, ça suffit! Sœur, ça va aller. Je te l'ai déjà dit. Ça va aller. D'accord? Ton fils rentrera bientôt. Ton fils va sans doute revenir. Mon Dieu ne peut pas mentir. Ton fils va revenir. Qu'il vienne, pasteur. Dieu m'a ordonné de rester ici avec toi parce que ton fils rentrera bientôt. D'accord? Alors sois patiente.
Je connais le Dieu que je sers. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne ment jamais. Il n'a jamais menti auparavant. Ok. Qu'il revienne, oh. Sinon je vais déchirer la parole de Dieu. Ne dis pas ça. Je vais jeter cette Bible. Seigneur, oh. Maman. Hey. Maman. Pasteur. Pasteur. Enfin. Maman. Mon maman. Fils. Merci, maman. Seigneur. Jeune homme, qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur Jerry au Biocola de la division C. J'ai trouvé le jeune garçon dans la forêt Tetsuo quand on était sur le point de le sacrifier. Jésus-Christ. C'était comme ça que je l'ai sauvé. Oh Dieu, je te rends grâce. Amen. Mon fils, que Dieu te bénisse. Amen. Les pouvoirs qui tuent les autres ne te tueront pas. Amen. Au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Reçois la gloire et reçois l'élévation. Je te bénis, ô Père éternel, Amen. D'avoir une fois de plus sauvé ton Amen. Fils. Mon fils, je prie pour toi. Les pouvoirs qui tuent les autres ne te tueront pas. Les pouvoirs et les esprits qui ont tué et détruit la maison de ton père ne pourront pas te tuer et te détruire. Là où les autres échouent, tu n'échoueras pas. Tu ne mourras pas d'une mort précoce. Au nom de Jésus. Mais West. West, tu m'as dit qu'il n'y avait pas... qu'il n'y avait pas de blessés. Maman, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. La vérité est qu'on avait déjà pris tout l'argent. Avant que cette affaire de blessé a surgi. D'ailleurs, je connais le genre de personne que tu es. Je ne voulais pas que tu commences à paniquer. Hein? C'est pour ça que je t'ai menti. Hein? Je suis désolé, vraiment désolé. West, mais tu aurais dû me dire. Si tu m'avais dit qu'il y avait des blessés, je t'aurais envoyé des renforts, non? Toutes ces personnes qu'on aimait, ces beaux jeunes hommes, ces jeunes femmes adorables, ils n'allaient pas mourir dans la forêt. C'est fini pour eux maintenant. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Même les remplacer n'est pas facile. De toutes les façons, ça fait partir du passé. On ne peut plus les ramener. La prochaine étape maintenant, c'est... comment allons-nous récupérer la marchandise, l'argent hors de la forêt? Oui. Et tu sais que pour le faire, nous devons apaiser l'oracle. Comment pouvons-nous faire cela? L'argent. Beaucoup d'argent. C'est ce qu'il faut. Maman, qu'est-ce que tu suggères maintenant? Tu sais que tu es ma mère. Tout ce que tu dis, je suis avec toi. Qu'allons-nous faire? En fait... je ne peux pas décrire ça, monsieur. C'était un être spirituel. Un démon suceur de sang. Ça apparaissait et ça disparaissait. Monsieur, je n'ai jamais vu un truc pareil auparavant dans ma vie. C'est juste par la grâce de Dieu que je suis placé devant vous en ce moment. J'ai perdu toute mon équipe, monsieur. Je les ai tous perdus. Quoi ? Quoi ? Tu veux dire que tous sont morts ? Oui, monsieur. Alors, qu'en est-il de l'argent ? Mais... que veut-il dire par là ? Bien sûr, il sait ce qu'il fait. Il est un officier de police corrompu. Il est prêt à sacrifier la vie des innocents citoyens pour ses gains égoïstes. C'est exactement pour ça qu'il m'a envoyé dans cette forêt maléfique pour que je meure. Mais il a échoué. Pourrait-il être que... qu'il fasse des affaires louches avec... ces gardes du ghetto? Ne me dis pas que tu es si naïve, détective. Est-ce que tu viens de réaliser ça? Hormis le fait que tu sois un officier de police formé. J'ai réalisé cela longtemps. Oh mon Dieu! Qu'allons-nous faire? Ceci n'est pas bon pour cette ville, du tout. Je veux dire, comment quelqu'un dans cette position puisse faire quelque chose comme ça? Inspecteur Thierry, nous devons faire quelque chose. Bien sûr, je ne peux pas rester là et le regarder plonger cette ville dans une perplexité de mystification. Je ne peux pas.
Je planifie déjà quelque chose. Et ça lui tombera dessus comme une grosse surprise. Ouvre bien tes yeux. Comment va ta mère? Elle va bien maintenant. Eh ben, toi, tu es vraiment incroyable. Je ne savais pas que tu avais un tel courage. Impressionnant. En te voyant, on peut dire que tu es douce. Hey! Laisse-moi te dire ce que tu as fait. Tu as gagné le cœur de la maman. Je t'assure. Tu l'as Tina, gagné, crois-moi. Tu as dis-moi, s'il te plaît, est-ce que tu as vu West aujourd'hui? Le patron doit être chez lui. Ah, bonjour, ma. Rosie, Rosie. Belle fille. Rosie, ma puce. Rosie, c'est bien. Je ne savais pas que tu étais une fille forte. Merci pour l'autre jour, hein? C'est rien. C'est bien. En fait, comment va ta mère? Oui, elle va bien maintenant. Ok. On l'a emmenée à l'hôpital. Et c'est West qui nous a aidés. West vous a donné un peu d'argent? La prochaine fois que tu auras besoin d'argent, viens me demander. Je te donnerai n'importe quel montant que tu veux. Merci beaucoup, ma. Merci beaucoup. Rose, Rose. Rose. Ah, West, bonjour. Comment tu vas? Bien, merci. En fait, merci pour l'autre jour. J'apprécie. Comment va ta mère maintenant? Elle va bien. Elle se porte bien. Maman, quoi de neuf? Tu veux sortir? Je veux sortir. Je veux aller voir un ghetto mama. Ok. Ray. Oui, patron. Tu vas suivre la daronne maintenant. Et comme je t'ai toujours dit, les égratignures. Tu sais ce qu'on appelle les égratignures? Tu ne veux pas le voir sur son corps. Tu m'entends? D'accord. Wes, tu t'inquiètes beaucoup. Laisse Ray rester. Non, la vieille, oublie. Il fait son travail, maman. Allez-y. Ok. La daronne. Prends soin de toi, maman. Ma la maman. Votre révérende de mère. Prenez soin de Rose. Je reviens. Maman, je suis là pour toi. T'en fais pas. Rose, allons à l'intérieur. D'accord. T'es un poste? Boss, je suis là. Je suis là. J'ai la position. Bonjour. Ouais, salut. Qu'est-ce qu'il y a? Aide-moi le relais. Non, non, je ne veux pas fumer. T'es triste? Je ne suis pas triste, je suis normal. Ok, je le roule moi-même. Hé, hey, madame, arrêtez-vous là. Fouillez-la. Hey, 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 hey. Reste là, fouillez qui? Quelle main tu vas utiliser pour me fouiller? Attends, oh. On dirait que vos mères ne vous ont pas appris le respect. Hé, hey, madame, si tu veux entrer dans cette maison, hé, tu dois bien te tenir pour qu'elle te fouille. Tu ne connais pas les règles? Où est-ce que tu es nouvelle? Tu es malade? C'est à Lady P que tu parles comme ça? Chai, ces enfants, regarde-le. Tu vois ta mère qui est au village? Elle ne t'a pas bien élevée. À qui crois-tu parler? Que tes mains sales me touchent et je te montrerai le derrière de ton cou. Écoutez-moi, madame. Tout ce que vous racontez là, c'est le feu de paille. Tout ça, c'est le feu de paille. Si tu comptes bien entrer dans cette maison, tu dois t'arranger à changer ton caractère. Alors, qui va faire je crois avoir été clair. J'ai faire. Déjà parlé, je ne vais plus me répéter. Cette personne, oh, vous me menacez avec des jouets? C'est sur moi, les types que vous pointez des jouets? Retirez-moi cette bêtise qui madame, j'ai dit, vous n'irez nulle part. Quel mot. La toute puissante. Écoutez-moi bien, moi, elle me fait pas ça, c'est juste le début. Je vous montre ici. Je suis calme. Toi, tu baisses très terre. Attention. Lady P. Maman G. C'est moi qui t'ai appelée. C'est moi qui t'ai dit de venir. Parce que je ne comprends plus mon corps. Je me sens comme si je vais aller rejoindre mes ancêtres. C'est pour ça que je t'ai appelé. Parce que le manteau de la gouvernance, c'est à toi que je veux le donner. C'est pour ça que je t'ai appelé. Puissante mère, je ne sais même pas ce que je vais dire. Je ne savais pas que tu surveillais mes faits et gestes au ghetto. Tout ce que je fais, c'est pour le bien-être du ghetto. Je me sens honorée,
Je ne sais même pas ce que je vais dire. Ah, puissante mère, merci. Merci. Comme tu l'as reconnu, je vais m'améliorer. Avec le temps. Tu fais de bonnes choses. Tu te comportes comme une mère. C'est comme ça qu'une mère du ghetto se comporte. Tu as mon comportement. Tu respectes la maman quand la maman t'appelle une fois. Tu vas me répondre immédiatement. Quand je t'appelle le matin, tu vas répondre. Le respect que tu m'as donné, je veux qu'on te le redonne. Alors, tu vas aller te préparer. Dans 3 jours, tu vas revenir. Parce qu'il y a des rituels que je dois pratiquer avec toi. Va te préparer. N'aie pas peur. Reviens dans 3 jours. Puissante mère. Comme ça, je vais préparer les rituels. Mère, ce que tu dis, c'est la vérité. Je vais aller me préparer. Je sais que tu attends ces 3 jours pour qu'on se prépare. Alors, je vais revenir pour le reste. Hé, hé, hé! Dégage! Arrête-toi là! Ne me touche pas! Écoute, retire tes sales pattes sur moi. Calme-toi avant que je ne le fasse moi-même. Ferme-la. Qu'emporte-toi. T'es malade, Patricia. Donc c'est vrai que tu es ici, hein? C'est vrai que tu es ici? Sacha, je ne me souviens pas t'avoir appelé. Je ne t'ai pas appelé. C'est Lady P que j'ai appelé. Et c'est seulement avec elle que je veux être. JM, parce que tu veux donner le manteau de la gouvernance à quelqu'un qui n'est pas qualifié, n'est-ce pas? Sacha, qu'est-ce qui t'arrive? C'est à la mère puissante que tu parles de cette façon? Hé, hey, boucle-la, avant que je ne déchaîne sur qui toi. Qui es-tu? Te déchaîner sur toi? Tu es folle! Sacha, tu es vraiment folle! Tu es folle, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur de Sacha du tout. Qui est Sacha? Ne laissez pas du tout ce qui est arrivé à s'appeler. Arriver à Asaba. Parce que je ne serai pas contente de vous. La personne que j'ai choisie, comme la ghetto mama, le restera. Vous comprenez? Mama, mama, pourquoi? Puissante. Mama, pourquoi? Tu n'as pas besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Si tu m'as choisi, ça veut dire que tu m'as choisi. Ce n'est pas de ma faute. C'est la position que Dieu m'a donnée. Puissante mère, c'est ma performance qui t'a poussée à me donner ce manteau de gouvernance. Laisse-moi te dire quelque chose, puissante mère. Moi, je suis le lion dans la jungle. Je n'ai rien à voir avec une sauterelle dans la jungle. Quand je rugis, tout le monde à l'intérieur et à l'extérieur du ghetto va trembler. Je n'ai rien à dire à cette femme. Mensonge. On dirait que la poule veut aller à la fête. De toutes les façons, je ne t'en veux pas. Quand un lézard saute d'un petit arbre et il regarde partout, mais il constate que personne ne l'a vu, il a commencé à se louer. Comme si personne ne peut l'atteindre. À la cheville. Patricia. C'est toi qui contrôles ta bouche. Tu peux chialer tout ce que tu veux chialer. Mais laisse-moi te dire une chose que tu vas réaliser est que peu importe comment tu fais semblant sur cette terre sainte, c'est nous les grands scorpions, les puissants scorpions qui régneront encore sur cette terre promise, cette terre sainte. Et c'est moi, Chacha, qui est la puissante dirigeante. Mais qui sont les pitons, non? Qui sont les pitons lorsque les scorpions se tiennent debout? Nous sommes les dernières voix de l'espoir de ce ghetto. Dis-moi, dis-moi des bavards. Dis-moi des bavards. Sacha, Sacha, tu sais ce qui me plaît sur toi? À chaque fois que tu ouvres ta sale gueule, quand tu te trouves dans ton taudis, tu ouvres ton bec et tu commences à chialer, chialer, chialer des bêtises. Regardez un enfant que j'ai vu quand elle rampait en pissant sur la route.
Tu ne te contrôlais même pas et tu es là à me parler n'importe comment. Que le tonnerre te frappe comme tu me traites d'enfant. Qui est-ce que tu traites d'enfant au juste? C'est Sacha que tu traites d'enfant? Tu n'as pas peur? Hé, vous deux, on dirait que vous êtes fatigués de rester ici, n'est-ce pas? Vous ferez mieux de respecter vos âges. Est-ce que c'est d'accord? Tu sais ce qui m'énerve avec toi? Papa, 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 papa. Tu chiales beaucoup. Tu vas sortir et on va régler ça. Puissante mère, je dois partir, je ne veux pas... Je vous ai déjà dit. Allez, prends tes deux pieds, dégage. Souvenez-vous de ce que je suis en train de dire. Je continue de dire. Ne laissez pas ce qui est arrivé à Sapele arriver à Asaba. Je vous demande de vous contrôler. Maman, je t'en prie. Laisse-moi te dire quelque chose avant tout que cela ne sert à rien. Laisse-moi me calmer avant de partir. Je ne suis pas venue ici pour blaguer. Maman, la puissante, laisse-moi te dire. On dirait que tu veux quitter cette terre sainte en morceaux avant de disparaître. Hein? Pas de soucis. Ainsi soit-il. C'est comme ça que tu le verras de l'autre côté, où tu veux bien aller. Parce que moi, Chacha, comme je suis placée sur cette terre sainte, je ne pourrai pas pardonner n'importe qui se tiendra sur cette terre sainte, dans cette terre sainte où on se trouve. Je suis... Allez, ça suffit! Mon cerveau est en surchauffe. Mon cerveau est en surchauffe. Ne me parle pas n'importe comment. Tu as terminé de jacasser? Maintenant, tu peux partir. Si je ne le fais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Allez, va-t'en, avant que je ne commence à verser mes balles sur toi. Allez, bouge! C'est à cause de cette femme qui est ici. Avance. Je peux te détruire. Je vais lui donner la paix pour qu'elle puisse bien aller. Comme ça, toi et moi, nous allons rester dans ce ghetto. Tu vas voir. Va te faire foutre, est-ce que tu m'entends? Si tu me respectais vraiment, tu n'allais pas faire de bruit quand maman est malade. Imaginez la lionne. Eh oh! La maladie. La maladie. Oh non. La toute puissante. Python. Patricia. Donc, selon toi maintenant, le papillon s'est transformé en oiseau, n'est-ce pas? Sacha, Sacha, tu me fais trop rire. Tu sais que parce que les crevisses nage avec les autres poissons qu'il commence à croire qu'il est un poisson. C'est à moi que tu parles n'importe comment, Sacha. Et si je te parle, qu'est-ce que tu vas faire? La toute puissante. Calmez-vous. Calmez-vous aussi. Qu'est-ce qui se passe ici? Attendez, attendez. Vous ne savez pas où vous êtes? Où est-ce que vous avez perdu le respect pour votre chef? Regardez, en ce moment je vous parle. Portez toutes vos armes et disparaissez, disparaissez d'ici, avant que je ne vous lâche l'une après l'autre. Ce sont tous vos agissements qui ont poussé la police à nous défier et à tout arracher. Vous n'êtes venu ni avec de l'or ni de l'argent, mais juste faire du bruit. Est-ce que ça marche ici? Méfie-toi de comment tu nous parles. Quant à toi, Sacha, nous allons terminer cette bataille. J'aime ça comme ça. Python. Dégagez d'ici avant que je ne fasse quelque chose. Partez. Merci, mon amour. Je t'aime. Patronne. Aussi. Allons-y. Ce n'est pas ici que je vais déballer ma rage. Partez d'ici avant que quelqu'un ne perde sa tête. Je n'ai pas assez fatigué de ces histoires. Il n'y a qu'une différence entre celle-ci et celle-là. On y est où là? Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui la pousse à faire cela? À quel moment? À quel moment est-ce que cette femme a commencé à te parler de la sorte? Lady P, qui est-elle? Est-ce qu'elle est au courant du jour qu'on m'a consacré? Le jour que je suis devenu le début et la fin? Le jour que moi, j'ai lu le psaume 91, j'ai lu le psaume 35, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Qui les connaît hors de ce ghetto? Qu'est-ce qu'ils connaissent? Ce jour où on m'a consacré, tous les membres de la fraternité qui se sont tenus à mes côtés me donnaient le pouvoir que j'ai. Que leur bénédiction qu'ils m'ont donnée retourne vers eux et que ça devienne une malédiction.
pour cette femme et son enfant. Et comme je suis en train de le dire, ainsi sera-t-il. Parce que c'est comme ça que ça doit être. Qu'il les connaît ! Qu'il les connaît hors de ce ghetto au juste ! Qu'il les connaît hors de cette terre sainte ! Qu'il les connaissait avant qu'on le fasse de moi le début et la fin ! Parle d'abord de ce qui se passe dans ce ghetto. Quelle marque est-ce que Patricia a déposée dans ce ghetto ? Qui connaît Patricia dans ce ghetto ? Hein ? Qui sont les pitons devant les grands scorpions ? Ce qui fait le plus mal, c'est l'affaire de notre patronne. C'est elle qui pousse Patricia à se sentir très importante dans ce ghetto. Si c'était les gens que je connais bien, je n'allais pas m'agiter comme ça. Des gens comme elle ne méritent pas que je m'agite autant. Ah. Vous me parlez de Patricia, qui n'a pas de niveau. Elle n'a pas d'expérience. Maman, s'il te plaît, ne va pas de ce côté. Ils n'ont pas du tout ton niveau. Ils sont des apprentis à tes côtés. Est-ce qu'ils peuvent se placer en zone de guerre ? Qu'est-ce qu'ils connaissent au juste ? Mais attends. Je suis même en colère. On dirait que ces imbéciles ont tout planifié à l'avance. Ils avaient tout prévu depuis. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils font du bruit, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'ils font du bruit partout. Ah ! Mais c'est comme ça, non ? Je vois maintenant. Il commence à avoir la grosse tête à cause d'un petit fric, misérable fric qu'ils reçoivent dans leurs affaires de drogue. Patricia a oublié que moi, Chacha, j'ai commencé à manger la chair blanche avant elle. On verra. On va voir. Ma doyenne, tu es une très bonne mère et tu m'as fait beaucoup de bien. Ne prenons pas cette affaire à la légère comme ça. Parce que, en cette période où nous en sommes, nous sommes les agents de la paix. Nous sommes venus faire la paix, mais ils n'ont pas accepté. Nous allons leur donner la violence. Nous allons les empiffrer de sable, très bien. C'est ce que la Bible dit. Qui sont-ils au juste ? Je ne vais pas leur pardonner. S'il te plaît, ma daronne, à cause de l'huile qu'on m'a versée sur la tête, qui me fait devenir le début et la fin. Je te supplie maintenant qu'on ne prenne pas cette affaire à la légère. Que notre patron n'aille pas couronner ces idiots dans cette terre sainte où toi et moi nous nous trouvons. Ce n'est pas juste que ce qui appartient à une personne, une autre personne vient de la prendre. Ils utilisent la ruse pour voler des avantages et les mettre dans leur poche et les attacher. Hé ! Jamais de la vie ! Qui sont-ils ? Ce sont des fourriers, ces connards ! Je vais les écraser. Ils me connaissent très bien. Moi, Sacha, un seigneur de la guerre. C'est aujourd'hui que j'entre en guerre. Mais je connais une seule chose dans la Bible. Paul, je le connais. Pierre, je le connais. Barnabas, je ne le connais pas. Qu'on les amène tous. Moi, je leur dirai que je suis la grosse baleine. La seule baleine de ce ghetto. Patricia, arrête de me pousser à bout dans cette terre sainte. Patricia, n'attire surtout pas ma colère dans cette terre sainte. Oh, ma colère va régner. Ma colère va régner dans cette terre sainte. Je leur promets ça. Bien sûr, tu as raison. Je suis en colère. L'arbre qui bouge ! Je vais la battre. Tu sais que je suis prêt à tuer des milliers dans cette terre sainte parce qu'ils se permettent de me rendre vraiment dingue. Mon fils, je suis en colère. Je suis en colère. Je suis sérieuse. Je suis fâchée.
Dis-moi que ce que j'ai entendu n'est pas vrai. Pourquoi est-ce que tu cries? Qu'est-ce que tu as entendu? Que tu sors avec le gars le plus dangereux de ce ghetto. Que veux-tu dire par là? Ce que je veux dire, c'est que j'ai été choqué. Que un gars vous a vu tous les deux ensemble, dans un bar, il y a de cela quelques heures. Moi? Oui, et il a battu quelqu'un, juste à cause de toi. Je ne sais pas de quoi tu es en train de parler. Tu ne sais pas de quoi je parle? Je crois que tu aimerais mieux l'expliquer à maman. Viens, Kings, viens, viens, je vais t'expliquer. Que le tonnerre, l'éclair, le feu ou tout ce qui contient du feu, que ce flamme pousse où elle est, hein? Que le lézard veut mettre des filles au crocodile pendant une bataille. Le lézard veut prétendre qu'il est roi dans la forêt. Il veut prétendre? Parce que ce lézard a une queue. On va couper sa queue et le faire mourir. Quel est le lézard? Qu'est-ce qu'il est? Sacha veut me tester. Sacha veut me tester. Elle veut prendre la position que je mérite. Aïe! Aïe, Seigneur! Révérende mère, je t'en supplie! Hein? Je t'en supplie! Maman, mais pourquoi tu déranges pour ça? Ghetto Mama elle-même, t'as choisi comme la prochaine Ghetto Mama dans cette terre sainte. Quiconque, c'est ma voix qui parle, je répète, quiconque dit que tu ne seras pas la prochaine Ghetto Mama, il mourra. C'est ce qu'il en est, oh. Il est mort. Hein? Qui sont les scorpions? Qui sont les scorpions? Hey! Maman. Ils ont parcouru le désert, c'est moi qu'ils veulent tester. Non, ça n'arrivera pas. Maman, maman, tu me perds le temps. Je suis ton fils, mais tu me perds le temps. On dirait que tu ne connais toujours pas ma valeur. Ori Biko! Biko Biko! Moi, West! Maman ne prononce plus ce nom de scorpion, je me trouve. Ça m'énerve. Qui est scorpion? Maman, je te bénis au nom de Dieu. Au nom de Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. En tant que ton enfant, je veux ta bénédiction. La bénédiction que je veux que tu me donnes en tant que ma mère est la permission de tuer. 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 Mon enfant, calme-toi. Ne t'en fais pas. Ta mère s'en occupe. Je sais ce que je peux faire. C'est moi que Sacha veut tester. Sacha, détends-toi, je vais m'occuper de toi. Tu veux jouer avec moi? Je vais te foutre en l'air. Santé. Je suis calme à cause de toi. Hein? Dieu même qui est au ciel sait qu'il y a des dieux ici. Nous sommes des dieux hauts. Il a créé le ciel et la terre et nous créons aussi haut. Mon fils. Oui, maman. Quand j'étais à l'hôpital, j'étais vraiment souffrante et ils ont pris soin de moi. Kings. Alors, aide-moi à remercier. Laisse-moi tranquille. Hey, grand frère. Oh. Sois le bienvenu. Ma sœur bien-aimée. Sois le bienvenu. Hey, Junior. Kingsley. Sois le bienvenu. J'espère que tu ne te disputes pas avec ta grande sœur. Non, grand frère, on ne peut pas se disputer. Alors, qui te provoque? Hein? Ne fais pas attention. Hein? Ils le font tout le temps. Ah, maintenant, non, je vois. Ils font semblant qu'ils ne se disputent pas. Wow. Je Alors? Vais vous trahir. Ah, oh, maintenant, ça me revient. Roselyne. Grand frère. Maman m'a dit qu'elle était malade. Et tu l'as amené à l'hôpital. Comment as-tu eu de l'argent? J'ai emprunté de l'argent à ma copine. Une amie? Oui. Tu as déjà une amie? Grand frère, c'est juste une. Tu sais que je t'ai dit que franchement, ils ont vraiment essayé pour moi. Wow. J'étais vraiment malade. Grand frère, Dieu merci, tu es rentré. Eh oui. On t'attendait justement. J'espère que tu nous as apporté quelque chose. Mes chers... Je suis très content. Je suis très content de m'être rendu à la croisade. Je suis revenu rempli du Saint-Esprit. Et à l'instant où je te parle maintenant, ton frère est complètement rempli du Saint-Esprit. Grand frère, je suis en train de parler de quelque chose de mangeable. Mon fils, comment était la croisade? Maman, la croisade était magnifique. Dieu a utilisé l'homme de Dieu qui a été invité à la croisade pour faire tout genre de miracles. Les aveugles ont retrouvé la vue. Les paralytiques ont marché. Hey. Et tout genre de miracles incroyables. Hey. C'était merveilleux, maman. Et comme tu me vois, je suis vraiment rempli du Saint-Esprit, maman. Vraiment? Alors, maman, je suis rentré. Et j'ai un devoir maintenant, c'est d'aller de porte à porte pour prêcher l'évangile, afin de gagner plus d'âmes à Christ. Maman, ce que j'ai vu à cette croisade m'a vraiment motivé à le faire. Bien Et sûr. Ce ghetto où je me trouve en ce moment, Dieu va manifester sa puissance. Amen. Oui, bien sûr. Mon fils. Maman. Beaucoup de choses se passent dans ce ghetto. La prostitution, des drogues dures, des gangs. En fait, je dois le faire de porte en porte pour gagner plus d'âmes. Oui, maman. Nous sommes de tout cœur derrière toi. C'est ce que j'attends de vous. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Pour cette évangélisation, Dieu va manifester sa puissance.
Je n'ai pas encore terminé. Kings, qu'est-ce qu'il y a? Quoi d'autre veux-tu savoir? C'est quoi ton problème? Dis-moi. La vérité. Rien d'autre que la vérité. De toute façon, nous allons parler de ça plus tard. Comme tu peux le voir, j'ai beaucoup de choses à faire à l'intérieur. Rose. Rose, quand est-ce que tout ça a commencé? Toi et moi, nous sommes des complices. On se partage des choses et on se partage des secrets. Tu sais que dans cette maison, je te connais mieux que n'importe qui. Tu peux mentir à grand frère et tu peux mentir à maman, mais pas à moi. Ferme-la! Je sais très bien ce que j'ai entendu aujourd'hui. On t'a vu avec ce gars et il a battu quelqu'un à cause de toi. J'ai dit ferme-la! Tu n'as pas de respect? Tu es faux? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Wow, tu veux la vérité? Je vais juste te gifler si tu parles encore. Tu es malade, allez, ferme-la. Je te parle, ferme-la. Tu voulais la vérité, n'est-ce pas? La vérité est que je n'ai aucun ami masculin dans ce ghetto. La vérité est que personne ne s'est battu avec quelqu'un d'autre aujourd'hui à cause de moi. C'est quoi ton problème? Je t'ai dit que ce n'est pas moi dont tu parles, je ne sais pas de qui tu parles. Laisse-moi tranquille, laisse-moi juste tranquille, comme tu n'as plus de respect. On verra ça. Tu veux dire que ce que tu racontes maintenant est ce qui s'est passé dans la cité saine? C'est comme ça que les nouvelles sont arrivées jusqu'à moi. C'est ce que j'ai entendu. Mais attends, laisse-moi bien comprendre. Donc, Ghetto Mama a invité Lady P pour la préparer à être la reine du ghetto. Et Sacha a osé venir pour tout chambouler. Exactement. Exactement. Mais ce que je ne comprends pas vraiment, c'est... pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça? Pourquoi? Ah. Mais c'est quoi ces paroles? Toi-même, ce qu'elle veut faire, est-ce que c'est bien? Mais c'est Lady P que la maman a choisi. Est-ce qu'il y a un mal à cela? Mais réfléchis, ce n'est pas correct. Comment est-ce que je peux être là? Toi aussi tu es là, je ne parle pas pour Sacha. Et on choisit Lady P pour être la prochaine reine du ghetto. Ah ah! Ouvre tes yeux, non? Ça ne peut pas arriver, non? Donc, tu veux dire que la maman n'est plus intelligente? Elle n'a pas vu Sacha avant de choisir Lady P? Meuf, laisse-moi te dire. C'est vrai qu'on était ici à tout contrôler avant que cette meuf n'arrive. Mais cette meuf est très rude. Elle est rude. Son niveau, elle, est différent du nôtre. Beaucoup trop. Il faut accepter la vérité. Pardon, que j'écoute. Que j'écoute. Elle est rude. Elle est superbe. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu vois cette prochaine reine du ghetto. C'est moi qui aura ce droit. S'il te plaît, celui qui pense mériter le poste, qu'il le prenne. Ça, c'est mon point de vue. Tu sais que tu aimes bien râler et jacasser. Mais vas-y, jacasse comme du pop-corn. Fais ta chose. Je vais chercher comment faire pour me faufiler. Mon ministère va aller de l'avant. Écoute, laisse-moi te dire. Ce n'est pas comme si ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas comme si je n'étais pas intéressée par ce qu'elle discute. Oh. Mais le truc, c'est que j'ai bien ouvert mes yeux. J'ai vu tout ce qui se passe et j'ai vu que ces gens me dépassent. Moi, je lève les mains. Tu as levé les mains, n'est-ce pas? Mais j'ai levé les mains. Reste avec les mains en l'air. Je vais rester avec les miennes baissées pour observer. Je vais courir, je vais poursuivre et je vais tout recouvrir. Tu es vraiment terrible. Meuf, écoute. Cette guerre que vous cherchez, si vous voyez la guerre, vous allez fuir. Parce que ce sont nos corps qui vont le ressentir. Les enfants vont le ressentir, les adultes aussi. Est-ce que tu m'entends? La guerre n'est bien pour personne. Ne commençons pas ce que nous ne pouvons pas terminer. Hé, hey, toi là, tu veux ma Qu'est-ce photo? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Laisse-moi! Laisse-moi! À l'aide! À l'aide! Aidez-moi! Jésus. Mec, ce son me rend dingue, ça me rend dingue. Patron, CP, patron. CP, tu maîtrises la chose. Tu connais. C'est comme ça. Ta chose, tu connais ton truc, tu connais. Je ne veux pas de ça. Regarde ça. Je n'entends pas cette chanson.
Je ne ressens pas la sensation de cette chanson. Patron! Patron! Oya! Patron! Soyez les bienvenus, je vous attendais. Non, c'est la puissance. Gars, quitte devant moi. Hey, qui est-ce que tu touches? Tu es malade. Qui est-ce que tu touches? Tu es malade. Tu es malade. Qu'est-ce qui t'arrive? Putain! Brisez-les! Brisez-les! Hey! Voilà déjà deux fois. Et il a encore répété. Deux bonnes fois. Pourquoi ne l'as-tu pas descendu? Pourquoi ne l'as-tu pas descendu? Hey! Viens là! Je dis viens ici! Viens ici, toi! C'est terrible. Qui as-tu et qui te poursuit? Vos gars. Hey, les putains sont en train de bagarrer. Ils se battent? Oui. Se battre? Allez, fous le camp d'ici. Dégage d'ici. Fous le camp d'ici. Je suis encore là. Lélé, Lélé, allons-y, allons-y, allons-y. Allons-y.
Où est-ce que ces gars sont allés acheter ça? Je ne sais pas où ils sont. Ils ont vraiment perdu du temps. Ouais, ils perdent trop de temps. Mais c'est comme c'est. Tout le monde sait qu'on est là. Les gars! Qu'est-ce qui se passe? Les gars! Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes allés acheter de la cam, les scorpions nous ont attaqués. En ce moment où je vous parle, Mafia et Kouké sont morts. Quoi? Ils ont tout foutu en l'air. Va te bêler. Va avec eux. Tu comprends? Moi, je vais aller de ce côté. Allez, on y va. Kouké! Ça suffit! Va ça suffit, lui. Tout ça! On va par là. Ils sont tous morts. Ils verront ma rage. Mec, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu des tirs. Oui. N'est pas étonné, ce nos gars. Oui. Mets-nous là-dessus en un par un maintenant. Hey, allons-y. Va de ce côté avec lui. D'accord, on y va. Allez, allons-y. Aveugle, n'est-ce pas? Je ne vais pas te tuer. Il est temps d'aller chez toi, parce que tu ne mourras pas entre mes mains. Python! Brisez leurs os! Python! Brisez leurs os! Python! Brisez leurs os à mort! Fait pire. Lélé, allez, aidons-les. Bouge.
Je vais la tuer! Ah! Je vais la tuer! Ah! Je vais tous la tuer! C'est quoi ça? Bougez pas! Je vous en prie, je vous en prie! À genoux! Je suis à genoux! Ne tirez pas! La ferme! Je vais la fermer! Mettez-moi vos mains sur la tête! Levez-vous! Avancez! Je vous en supplie, monsieur! Allez-y, je vous en supplie! Je n'ai rien fait! Je n'ai rien fait! Je vous en supplie! Je n'ai rien fait! Je n'ai rien fait! Je n'ai rien fait! Je vous en supplie! Avancez. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.